Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Stadium Miramas Métropole pour cette nouvelle édition du meeting international de Miramas que vous allez suivre en direct et en intégralité sur Athlé TV. Ce soir, pour nous accompagner sur Athlé TV, c'est sa grande première, Mathilde Andreau, internationale de lancer, qui nous rejoint. Salut Mathilde. En mots sur le plateau assez exceptionnel que nous réserve le meeting de Miramas. Ah oui, assez exceptionnel, 50 nations représentées, un champion olympique pour ce plateau catégorie silver, ça va être une très belle soirée. Une très belle soirée que vous allez vivre sur Athlé TV pour ce meeting international de Miramas. Installez-vous confortablement, on est en apnée jusqu'à 22h. Et on espère que vous avez pris des forces pour vivre cette grande soirée d'athlétisme qui a commencé sur les chapeaux de roue il y a quelques instants avec les séries du 60 mètres et féminin que vous avez pu suivre sur Athlé TV, le Facebook du meeting international de Miramas. Mathilde, ça a déjà pété dans tous les sens. Ah oui, une très belle perf de Sacha Alessandrini, la niçoise, qui nous a offert un 8-0-4 et deuxième performance de ces séries avec à 2 centièmes des minima pour les mondiaux de Glasgow. Vous découvrez le programme sur votre écran de ce qui nous attend ce soir. C'est dans quelques instants les séries du 400 mètres masculin et puis ce point d'orgue, cette cerise sur le gâteau de ce meeting argent European Athletics, c'est le 1500 mètres masculin. On ne s'offre pas tous les jours un champion olympique. Non, c'est sûr, il ne fait pas toujours le déplacement à Miramas, mais le silver attire. Salomon Barrega, qui était champion olympique du côté de Tokyo sur le 10 000 mètres et qui sera engagé sur un 1500 mètres qui sent la poudre, dans laquelle Romain Mornay, qui vient de briller à Ostrava, aura également fort à faire. Dans les séries du 60 et Mathilde nous en parlait, Sacha Alessandrini a brillé, l'américaine Hughes également, puisqu'elle a fait 8-0-1. Regardez les invités d'honneur qui sont présents ce soir à Miramas. Des légendes, à n'en pas douter, cravate orange, Paul Tergat, 5 fois champion du monde de cross, le ministre des Sports du Kenya qui est également présent, et puisque la fédération du Kenya a décidé, l'État du Kenya a décidé de signer une convention de partenariat avec la ville de Miramas. Miramas sera base arrière de tous les sports olympiques kenyans à l'occasion des Jeux Olympiques. Ça, c'est beau pour la ville. Bah oui, excellent choix d'avoir choisi le soleil du sud. On sent l'objectivité de la Montpelliéraine. Exactement. Vous découvrez la start list du 400 mètres masculin, c'est la finale B. Et pourtant, il y a un phénomène français dans cette course, Yann Spielmann. Il est lyonnais, il a été découvert, formé par le regretté Piero Carraz et il vient de littéralement exploser du côté de la halle Stéphane Diagana le week-end dernier en réalisant 46 secondes 59 à quelques encablures des minima pour les championnats du monde qui sont à 45-90. Qui sait, avec une course encore plus disputée, ça peut sourire. Des fois, le haut niveau, il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'un petit déclic, en effet, et pouvoir concourir aux côtés de très haut niveau, ça tire toujours vers le haut. Ouais. Le Danois Gustav Nielsen sera également dans cette course, lui qui est crédité d'un record en 46 secondes 57. Rien de moins que 5 fois champion du Danemark de la spécialité. Ça pose le décor. Il est là, Jan Spielmann. Couloir 5. Un bon couloir en plus, le vice-champion de France Espoir à Albi et détenteur de la meilleure performance française de ce début de saison. Le phénomène Spielmann doit confirmer le Roumain Robert Parge. Lui, c'est 47-02 son record, qui explique son couloir. Et un Irlandais, Jack Raftery, puisque le meeting est très international. Il y aura une cinquantaine de nations qui seront représentées ce soir. Les minima pour les championnats du monde, 45 secondes 90. Le record du meeting, c'est 46-47. Et ce n'est que la finale B, il y a de fortes chances qu'il vive ces dernières minutes. Comme beaucoup de records de meeting ce soir, je pense. Ça risque, effectivement. Spielmann, vous l'avez vu, concentré, déterminé. Il faut confirmer après le coup d'éclat. Si vous avez aperçu sa course sur les réseaux sociaux, il a couru seul à la Stéphane Diagana. Là, va y avoir de l'opposition, ça aide. Ah oui, sur un 400, c'est sûr. Et il aura devant lui la locomotive danoise Nielsens, record en 46-57. Pour lancer ce meeting international de Miramas en direct sur Athlé TV.
Athlète TV, c'est gratuit pour les licenciés de la Fédération Française. Dites-le autour de vous, il suffit d'avoir un numéro de licence pour avoir accès à cette offre monumentale de meeting et de championnat. Première course de la soirée, le 400 mètres masculin final B. Jan Spielmann pour confirmer ses 46-59 de la semaine dernière. Allez Yann. Le 400 mètres en salle, c'est deux tours, ça tourne forcément fort, il faut faire le premier tour dans son couloir. Spielmann bien parti avec devant lui le Danois Nielsens. C'est la sortie du premier virage, du deuxième virage où il va y avoir le rabat. Allez, Spielmann devant Nielsens, le Danois en point de mire et c'est bien la cloche, le dernier tour. Il faut produire son effort maintenant, rester bien placé derrière le Danois Gustav Nielsens, record en 46-57. C'est là-bas en face qu'il faut tirer sur les bras, c'est là-bas en face que c'est dur. Spielmann qui est en train de fournir son effort et qui va tenter de passer, il le fera dans la ligne droite. S'il y arrive, Nielsens, le Danois, peut-être vers la victoire. Spielmann, le Français, Nielsens, ça va se jouer dans les tout derniers mètres. Spielmann pour la victoire. Spielmann pour... un chrono probablement supérieur aux 46 secondes. C'est dur d'enchaîner des 400 mètres à top niveau. On va attendre le chrono officiel. Mais Jan Spielmann s'offre une victoire dans la finale B d'un meeting silver. Et le chrono ne s'est pas arrêté en fait pour l'instant. Ouais. Donc on a un peu de mal à vous donner, à s'enthousiasmer sur la performance de Jan. Allez, autour des 46, 46, 50 probablement pour lui. On l'a vu un peu se désunir dans le deuxième, deuxième partie de course. Ouais, ça a eu l'air compliqué de tenir les 200 derniers mètres, mais bon, il a réussi à faire la différence quand même sur la fin. Et 46-71 au final. Il confirme. Hein. Il confirme la belle tenue. Après, c'est aussi une grande découverte du haut niveau, parce qu'on arrive de là, Stéphane Diagana, les champions de l'IAMNA après régionaux de zone, et on se retrouve en meeting silver. Ça s'appréhende aussi. C'est sûr, ça doit être des conditions un peu différentes. C'est bien qu'il se fasse une expérience, je pense. Il est 2002, je vois, donc c'est le plus jeune aussi de la course. Il y a du chemin à faire et c'est très bien de confirmer ici malgré la pression. Le jeune espoir, effectivement, qui a effacé le record de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes le week-end dernier en effaçant des tablettes Jimmy Jean-Joseph. Excusez du peu, vous voyez la confirmation des résultats. Jan Spielmann, le Français, qui l'emporte en 46-71. Mais ce n'était que la finale B. Et ils ont approché à quelques centièmes le record du meeting, 46-67. Il devrait donc tomber tout à l'heure. Mathilde, t'hésite pas, t'es à la maison. Hein. C'est ta grande première, tu prends tes marques. Pas de stress, on est entre nous. Oui. C'est la famille de l'athlète hein, qui exactement. Est là. Cette famille que tu as tant côtoyée au final. Ben, justement, que deviens-tu ? De nombreuses années. Je suis kinésithérapeute. Et je travaille dans un centre de rééducation qui est plutôt spécialisé sur les personnes amputées à côté de Montpellier, au Gros-du-Roi. L'occasion également de parler des Jeux paralympiques. Exactement. Qui se profilent au mois de fin août, début septembre. Il faut y aller, c'est important. Ah oui, de voir ces athlètes hors normes. C'est hors normes et c'est extraordinaire. C'est vraiment un championnat à voir. Et n'hésitez pas parce qu'en plus les billets sont accessibles et il y en a. Et c'est l'occasion de participer à la grande fête des Jeux de Paris. Le saut à la perche, on va prendre de l'altitude dans la salle de Miramas avec un concours qui promet. Vous en avez l'habitude sur les antennes d'Athlé TV avec le perche Elite Tour que vous avez pu suivre du côté de Super Dévolui ou encore de Bordeaux. Et ben vous allez retrouver à peu près les mêmes garçons. Le record du meeting, c'est 5m62. Lui aussi, il devrait tomber, vous le voyez, à la vue de la liste des engagés, les internationaux Chen Yao et Yamamoto. Ce sont des garçons qui ont déjà sauté largement au-dessus de 5m80. Du côté des Français, Mathieu Collet, qui a un record à 5m74, un peu bloqué à 5'30 saison, en difficulté avec ses sauts. Lui, c'est l'attraction française de ce début. Il est portugais, mais il fait l'attraction des meetings français. Burao, le portugais, invaincu depuis qu'il est en France. Super Dévolui, Bordeaux et Nantes. Jamais 203, ah, la quatrième, elle est pour un Français. Je mets une petite pièce pour Emile, moi, ce soir. Donc, c'est lui le vainqueur. Ah ouais, je dirais ça, vu l'échauffement. Robin Huyghe,
le perchiste de Gap aux Alpes Athlétisme, record à 5,75 réalisé dans l'ambiance survoltée de Super Dévolu. Il connaît cette salle de Miramas et il y a son public et il veut aller chercher ses 82 qui sont les minima olympiques. Exactement. Ne l'oublions pas. Baptiste Thierry qui sort d'un état grippal, donc on ne va pas chercher de miracle ce soir, mais peut-être de la confiance. Oui, voilà. Un mot sur Robin Emic, tu nous disais, tu as vu l'échauffement, je t'ai vu le suivre avec beaucoup d'attention tout à l'heure. Oui, je trouve qu'il a pris des très grosses perches directes, il avait l'air d'avoir une course d'élan assez efficace et j'ai hâte de voir justement à quelle hauteur il va commencer et la petite valise qu'il va mettre à sa première barre, ce qui met toujours en confiance. Alors Robin Emic, il va commencer à 5,40 m comme Baptiste Thierry et Pedro Burao. La première barre proposée sera à 5,05 m. On revient sur le double tour de piste avec la finale A du 400 mètres, une finale très internationale chez les messieurs. Vous voyez le Serbe Bosko Kijanovic, double champion de Serbie du 200 et du 400. Un Espagnol, Inaki Canal, qui lui a déjà couru en 45-89 et qui a réalisé 46-36 cette saison. Sera à suivre de très près. Et puis deux Kenyans, on parlait du partenariat avec le Kenya, ben, on en a l'illustration avec Boniface Ntunga Mdereza, qui était cinquième des championnats du monde en salle à Portland en 2016, et Mukobe, qui lui, vous l'avez vu, a un record en 47-99 et qui a fait 48-52 avec des haies en extérieur. Sacré gabarit ces Kenyans, hein. C'est pas habituel. Bah c'est vrai, on est plus habitué aux Kenyans en demi-fond. Ce soir, on va les découvrir dans plein d'autres spécialités. Et vous les verrez, vous le connaissez, sur le 60 mètres plat en particulier tout à l'heure. Avec le musculeux Ferdinand Omagnala. Le record du meeting, 46-67. Sauf catastrophe, il devrait tomber. On y croit en tout cas. Minima pour Glasgow, 45-90. Ça peut être jouable. Et 45-24, la meilleure perf mondiale de l'année. Là, Mathilde serait debout sur la table. Possible. Ce n'est que l'apéritif de ce meeting international de Miramas où les épreuves vont s'enchaîner. On a réouvert la ligne, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a quelques secondes de latence, ce qui va nous permettre de dire qu'il y a déjà une belle affluence alors qu'il n'est que 20h. 4000 personnes déjà présentes dans ce stadium Miramas Métropole qui contient 5500 places assises. C'est un beau défi réalisé par les organisateurs. Et oui, l'athlée attire. Ben voilà, on en parlait, le fait que ce meeting devienne silver, ça attire des athlètes internationaux qui viennent chercher des points pour le ranking et du coup ça attire du public et c'est très très bien pour l'athlétisme. Ça offre de la visibilité au premier sport olympique et ça permet effectivement aussi de mettre des yeux dans les étoiles des gamins qui ont couru cet après-midi. Ou des étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux, pardon. Oui, c'est mieux. Et on les voit là le long de la main courante, ces enfants. Les premiers supporters. Allez, le 400 mètres masculin en direct sur Athlète TV. C'est la finale. 7. Et c'est la grande explication. Objectif, courir en moins de 46-67, le record du meeting. Très gros départ du Kenyan à la ligne 4. Vrai ça, le Kenyan effectivement fort bien parti. On va voir au rabat ce que ça donne. C'est Mukobe, attention également à l'Espagnol Canal. Ça va être très discuté, ils sont partis vite sur ce 400 mètres. Inaki Canal, l'Espagnol en tête, lui qui a un record en 45-89 en salle. Il était vice-champion du monde du 4x400 mètres au championnat du monde en salle avec la Seleção, l'équipe espagnole. Ouais, et il va bien, aller chercher la victoire, Inaki Canal. Très, très bien. Attention au record du meeting qui peut être battu ce soir. Ouais. Il va peut-être en manquer un tout petit peu. Inaki Canal, l'Espagnol, qui l'emporte à la faveur d'un gros effort au début, à l'entame du deuxième tour. C'est un peu désuni sur la fin, mais je ne suis pas sûr qu'il
qu'elle soit pas loin de sa season best là. Le record du meeting 46-67, c'est 46-72 que réalisera Inaki Canal. Ce qui veut dire que c'est bien le français Yann Spinal qui réalise le meilleur temps du 400 mètres du meeting international de Miramas. 46-71, cocorico. Ah ben oui, finale B et meilleur temps des deux finales, c'est une très belle chose. C'est bien parce que ça veut aussi dire qu'il s'invitera les prochaines fois dans les finales. Dans la composition. Et effectivement, sur la fin, Mathilde, vous le disiez, sur la fin, il s'est désuni, Inaki Canal, et il le paye probablement des quelques dixièmes qu'il a manqué pour aller chercher ce record du meeting et ce season best. Les résultats sur votre écran et là, les records de saison et season best pour nos deux Kenyans, du Kobe et Mvresa. Vous voyez qu'il y a des haies hautes qui sont apparues sur la piste de Miramas. Ça va aller très vite là aussi. Ah oui, un très beau plateau sur le 60 mètres élevé masculin. Avec un chouchou français quand même. Évidemment. Willem. Willem Vélocian, Dimitri Bascou. Enfin, moi, c'est un peu tous mes chouchous, les Français. Est-ce que le chauvinisme est une qualité? Oui, probablement, il faut l'être. Évidemment, on est en France, on fait un meeting pour que nos Français marquent des points. Toi qui as accompagné une partie des lanceurs allemands, les Allemands, ils savent être chauvins aussi quand il faut. On l'avait vu à Munich, par exemple. Oui, soutenir ces athlètes, c'est important. Exactement. Vous découvrez la présentation d'un concours de triple saut qui promet également ce soir, puisqu'il y a dans ce concours bon nombre de garçons qui ont déjà sauté à 17 mètres, voire beaucoup plus. On les découvrira dans quelques instants. Lipsanen, le Finlandais, par exemple, un record à 17 mètres 14, record de Finlande. Benjamin Compaoré, notre Français, et du coup, il sera le seul représentant français ce soir avec un record à 17 mètres 48. Parce que Jean-Marc Ponviane, légèrement souffrant, a préféré ne pas prendre de risques. Max Hess, le médaillé de bronze des championnats d'Europe l'hiver dernier. Là, c'est une autre galaxie, 17 mètres 68, son record. Alexis Copello, désormais master, excusez du peu, et désormais azéri. Il est là, Benji, Benjamin Compaoré, l'éternel Benjamin Compaoré. Oui, ça fait plaisir de le voir. Champion d'Europe à Zurich en 2014. Il est toujours présent. Champion de France en salle l'hiver dernier à Aubière. Le papa avait damé le pion aux autres. Lui aussi est master. Il y aura donc une course au master entre Copello et Compaoré. Et attention à ce garçon, 17 mètres 35, finaliste au championnat du monde. Vainqueur de la Diamond League, de la finale de la Diamond League l'été dernier, Andy Diaz Hernandez. Oui, 17 mètres 75. Ça promet un très beau concours de triple. J'ai dit seul français, mais il y a aussi Raoul qui est là. Oui, c'était Réval Ponviane. Raoul. C'était effectivement le forfait de Jean-Marc Ponviane. Le record du meeting au triple saut, c'est 17 mètres 05. Forte chance là aussi qu'il soit battu. Il y a du saut en hauteur féminin qui a débuté il y a quelques instants. Alors là, ça va forcément se décanter petit à petit. La barre est pour l'instant placée à 1,84 m. On va retrouver l'italienne Asia Taverini. Elles sont 4 déjà à avoir franchi cette barre. C'en est déjà terminé pour nos Françaises. Laurine Maxwell. 1,78, oui. Et Laura Salin-Hic, 1,78 aussi pour un season best. Juliette Pérez aussi bloquée à 1,78 m. La hauteur française se reconstruit étape par étape. Bah, c'est bien de voir trois filles à plus d'un 78 ici. C'est vrai que il faut du temps pour construire du très haut niveau. Et c'est bien d'avoir des meetings comme ça qui donnent la chance à des filles de côtoyer le très haut niveau international. Ça passe aussi par côtoyer ces athlètes, voir comment elles se préparent, voir quelles sont leurs routines d'apprendre le haut niveau. Exactement, s'identifier, se dire que c'est possible. Parfois, il suffit de pouvoir le voir pour se rendre compte que en fait, ça demande pas. C'est pas un miracle et c'est pas que les autres qui savent faire. Quoi. Puisqu'on parle de saut en hauteur, c'est Dorian Léry qui partageait sur les réseaux sociaux qu'il avait sauté au meeting
de Nantes, de Val-de-Reuil, pardon, et qui disait les athlètes étrangers étaient surpris que ce ne soit pas mon métier. Et c'est aussi le gap de ce sport professionnel, de ce sport, de cette bascule qu'il faut arriver à faire, et ce n'est pas forcément toujours facile. Le 60 mètres haies, il y aura trois courses. C'est la première qui est au départ, Raphaël Mohamed du Racing Club de Mahamoudzou. Un record en 7,73 côté de Val-de-Reuil. Kevin Sanchez, l'Espagnol, qui a déjà couru en 7,68. Le Néerlandaise Jopgers, qui a couru en 7,63. Ça va déjà poser le décor, cette première série. Le recordman de Grèce, Konstantinos Bouvalidis, 7,59. Casse la barre des 7,60, c'est un autre monde. Le recordman de Turquie, Mikdat Selber, 7,70, un habitué du circuit du Crédit Mutuel Athlète Tour. Et tout à l'extérieur, dans la famille Ngo, demandait Cameron, un record à 7,82 qu'il a approché lors du meeting de Val-de-Reuil avec 7,85. Oui, nos deux Français aux extérieurs, on espère qu'ils vont se laisser aspirer et aller chercher une place. Les qualifs se font au temps pour la finale. Donc c'est important d'aller vite. Le record du meeting sur le 60 haies. 8,06. Chez les filles, probablement. Probablement. 7,54 par PML. C'est tout. Pascal Martino Lagarde. Le premier départ au couloir 4. C'est Jopgers, ouais, le Néerlandais, qui va l'emporter devant Konstantinos Douvalidis. Le chrono 7 secondes 76. Ça commence à poser le décor. Il y a eu pas mal de fautes sur cette course. On va évidemment la revoir au ralenti. Et la victoire sans trop de difficultés au final pour le Néerlandais. 7 secondes 74 devant Douvalidis. 7 secondes 83. Douvalidis, il est master aussi. Qui se glisse en troisième position. Raphaël Mohamed, 7,90. On va revoir la course au ralenti, probablement pour constater. Il y a eu quelques fautes. Ouais. Ouais, ce qui s'est passé. Ça a tapé du bois. Vous revoyez la course. Effectivement, une grosse faute de. Dans cette course pour Kevin Sanchez, qui était à côté de Raphaël Mohamed. Ça n'a peut-être pas avantagé. Et Raphaël aussi, qui en fait une grosse sur la 4. Il va donc. Il s'en veut d'ailleurs. Falloir attendre. Jusqu'à la 4ème, il était plutôt bien parti. La dure loi des. Mais cette victoire donc de Jopgers, le Néerlandais. 7 secondes 74, vous le découvrez sur votre écran devant Konstantinos Douvalidis, le grec master, plus de 35 ans, 7,83. Et Raphaël Mohamed, le français, en 7,90. Le triple saut masculin qui débute tout juste. Une grosse délégation grecque, hein, avec Nikolaos Andrikopoulos. Qui est en bout de piste. Ça se dit aussi ça dans les pays, quand il y a un meeting qui reçoit bien, un meeting où c'est sympa d'aller, les athlètes se le disent entre eux. Ah oui, 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 très souvent. On échange les bons plans. Exactement, oui. L'accueil en meeting, l'hôtel, les conditions d'échauffement, les conditions d'entraînement avant le meeting, après le meeting. Oui. Il y a cette salle extraordinaire du Stadium Miramas Métropole qui accueillera d'ailleurs les championnats de France Élite le 17 et 18 février prochain. À suivre sur Athlé TV, mais si vous voulez acheter votre billet pour ces championnats de France élite, n'hésitez pas, rendez-vous sur le www.athlé.fr pour découvrir la billetterie. Le drapeau est malheureusement rouge pour Andrikopoulos, le grec, un peu trop gourmand sur la planche. Pour l'instant, c'est Amat Faye, le Sénégalais, qui mène avec 15,89 m. Ça va forcément là aussi bouger dans ce
dans ce concours du triple saut. Au record du meeting, 17,05 m. Hugues Fabrice Zango. Il l'avait réalisé en 2021. Détenteur du record du monde en salle. Et qui a fait 17,15 m le week-end dernier à Val-de-Reuil. C'est toujours la meilleure performance mondiale de l'année. Timo Lipsanen, le Finlandais. Le drapeau va être blanc. Là, on va avoir un saut de référence. Ça y est. Lipsanen, c'est 16,40 m cette saison. Il doit y avoir un petit peu plus là sur ce saut pour le Finlandais. Très belle perf à la hauteur. Elle prend la tête du concours avec un mètre. 1m87, ouais. Ouais, c'est ça, 1m87. Elles sont 3 à être, 2 à être passées. Les deux grecques, décidément. On va beaucoup voyager en Grèce. La grecque Panagiota Dossi et Tatiana Gussin qui ont effacé 1m87, record du meeting. On va retrouver Michaela Urba, la tchèque, pour sa première tentative à cette hauteur. C'est elle qui vient de passer. Voilà. On remet tout dans l'ordre. Et Lipsanen, le Finlandais que vous avez vu au triple saut, a lui réalisé 16,64 m, son meilleur saut de la saison. Et il prend évidemment la tête de ce concours. 60 mètres et masculin. La deuxième course est au départ. Couloir 3, Willem Belossian. Ça pose un. Oui, avec un déjà meeting. Les minima pour Glasgow, oui, réalisé la semaine dernière à Nantes. Ça va être une très très belle course de Willem encore ce soir. Et il aime cette piste de Miramas où il a souvent brillé. Léo L. Ashkar sera au couloir 1, un record à 7,76 pour le sociétaire de l'Entente Franconville, Sésame Valdoise. Willem Belossian, c'est 7,54 le week-end dernier du côté de Nantes. Il n'avait jamais couru aussi vite au mois de janvier dans sa carrière. Après, comme vous disiez, hein, les meetings, aujourd'hui, le fait que pour le ranking, il faille participer à beaucoup de meetings, ça les oblige aussi à être prêts plus tôt dans la saison pour accumuler des points. Hein. 7,42 son record, 7,54 réalisé cette saison, ça pose. Lui, il a réalisé le record du Niger le week-end dernier du côté de Nantes également, Sagirou Badamassi, 7,69 secondes. D'ailleurs, une sacrée opposition quand même dans cette série. C'est pas un cadeau pour Willem Belossian d'entrée. De l'avoir juste à côté, non. À côté de lui, le Portugais Abdelkader Larinaga, un record à 7,67. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement de l'opposition et on aura d'autres Français dans cette course. Et tant mieux, Matteo Enbo, qui a fait 7,74 le week-end dernier, s'approchant à 2 centièmes de son record personnel. Jordan Rama, un record à 7,83. Tout à l'extérieur, Paul Chabotti, de l'Entente des Mauges, un record à 7,88. Willem Belossian sur le papier est quand même normalement au-dessus du lot. Oui, et puis il a des grosses ambitions pour cette saison. Il les avoue franchement, donc je pense qu'il est, il est très en confiance et il en a sous le pied. Et on se souvient qu'à Nantes, il avait tapé un grand coup en série. Donc, il va faire la même chose ce soir. Je sais pas si c'est bien comme entraînement pour les championnats du monde, ça, de se dire qu'on va faire le mieux en saison. Record du meeting, 7,54 secondes. Les minima, on n'en parle pas pour Willem Belossian, c'est 7,62 secondes. Mais qui sait si d'autres avaient la belle idée de les réaliser. Et de monter dans l'avion pour Glasgow au début du mois de mars prochain. Dans la première course, c'est le néerlandais Job Geerts qui l'a emporté en 7,74 secondes. La réponse de Willem Belossian au couloir 3 en direct sur Athlé TV. Tout le monde va se relever. Ça devait bouger un petit peu trop derrière la ligne de départ. Ils ont attendu. Et ça nous permet, regardez, devant, c'est Benjamin Compaoré au triple saut.
Le gentleman Compaoré avait attendu le départ. Bah, puisqu'ils attendent un peu, bah, moi je vais y aller, je vais sauter. Hein. Allez, béni. Pour poser d'entrée, ah, ça risque d'être mordu. Ouais. Et puis d'abord, ils sont un peu emmêlés les pinceaux après. Donc c'est pas très grave. Au cours du triple saut, toujours emmené par le Finlandais Lipsanen. Avec 16,64 m. Alexis Copello a réalisé 16,10 m. Au départ, cette deuxième série du 60 mètres est masculin. Willem Belossian en couloir 3. Il faut aussi gérer ses phases de concentration. Andy Diaz, en bas de votre écran, c'est du triple saut, désormais italien, dans un concours emmené par Lipsanen. C'est allé très très loin. Et on aura l'occasion évidemment de revoir le saut dans quelques instants, puisqu'on revient sur la ligne de départ. Deuxième course du 60 mètres et masculin. Willem Belossian sur la droite de votre écran, avec son maillot bleu, pour confirmer les 7,54 du week-end dernier. Pour aller chercher le record du meeting de PML. Pascal ça. Martino Lagarde. Tout le monde le connaît. Le premier départ dans cette série du 60 mètres, Willem Belossian évidemment, tout en facilité, tout en fluidité, qui va l'emporter. 7 secondes 56, mais qu'il est régulier au top niveau, Willem Belossian, que ça paraît simple, que ça paraît facile, et c'est signé Belossian, 7 secondes 56 en série. Exactement, du rythme, du relâchement, ça paraît facile jusqu'au bout, il y a les deux petits centièmes qui le séparent, à mon avis, vont sauter en finale. Sagirou Badamassi améliore le record du Niger, 7 secondes 68. Abdelkader Larinaga prend la troisième place en 7 secondes 82. Mais qu'est-ce qu'il est fluide, Willem Belossian, quand il est lancé sur les pas grand-chose ne peut l'arrêter. Et surtout, il est désormais régulier dans ses chronos de classe mondiale, 7,50-7,55. Exactement. Une meilleure perf de la saison pour Jordan Rama aussi en 7,85 au couloir 7. Et vous voyez de face là le ralenti de la course de Willem Belossian. Il touche un tout petit peu, il vient à peine effleurer la 4. Mais le perfectionniste qu'il est dira que... Je reviens après. Voilà. Ça c'est pour les supporters qui sont au bord, les enfants qui font la chasse aux autographes. Mais Willem, il doit rester focus parce qu'il y a une finale. Exactement, il y a une finale, il y a un world leading, il y a pas mal de points à aller chercher encore pour le ranking mondial. Donc on reste concentré évidemment. Alors il s'est mordu pour Fay au triple saut. Dans un concours, on a débuté le deuxième essai. Le saut en hauteur en double fenêtre. La barre désormais placée à 1m89 et ça passe pour Tatiana Guzin qui établit donc un nouveau record du meeting. Le triple saut avec Nicolas Andrikoupoulos, le grec. Elles seront deux à franchir, 1m89, Panagiotas Dossi. Elle aura recours à une deuxième tentative, c'est Mikhaïl Urba, ouais, la tchèque. Record du meeting qui était modestement à 1m78. Donc
Là, il prend beaucoup de hauteur. À chaque saut, il est battu, mais c'est très bien. Mais au vu du plateau des engagés, il y avait assez peu de doutes sur le fait qu'il soit ce soir bien meilleur. Elles sont déjà deux à avoir effacé 1m89. La meilleure performance mondiale de l'année, c'était avant-hier du côté de Cottbus en Allemagne. Apparaît Jaroslav Maouchik avec 2m04. La quatrième à tenter cette hauteur, c'est Jurtė Bakistė, la championne de Lituanie. Très beau. Ça bouge, mais ça reste. C'est tout ce qu'on demande à la barre, exactement. Elle l'effleure un petit peu dans la montée, il me semble. C'est vraiment juste sa jambe gauche. C'est très joli. Elle a un record à 1m92. La troisième série du 60 mètres est masculin et elle va être très intéressante parce qu'il y a une opposition à distance qui va commencer à se faire avec l'Espagnol Enrique Llopis et avec le Canadien Greg Thorne également. L'opposition à distance évidemment avec Willem Belossian qui vient de claquer 7 secondes 56. Enrique Llopis qui rentre cet hiver, il n'a pas couru pour l'instant, c'est un record à 7 secondes 48 hein, pour l'Espagnol. Encore même d'Espagne de la spécialité et finaliste des championnats d'Europe à Munich sur le 110 mètres haies. Qui est bien là, je ne le voyais pas derrière son bloc, mais non, il est bien là. Ferreira, le portugais au triple saut, qui demande la claque. On passe sur la troisième course du 60 avec Jérémy Lara, rodeuse pour Maurice, détenteur du record de Maurice, 7,77. Réalisé cette saison. Un Roumain, Alin Lonut Anton. Champion de Roumanie. Lui, on vous en a parlé, Enrique Llopis, sa rentrée aujourd'hui à Miramas pour débuter sa saison 7,48, son record. Yao Vitor de Oliveira, le portugais, un record à 7,71. Le français Ronan Greff qui a réalisé 7,82 cette saison, son record. Et à l'extérieur, le canadien Greg Thorne. 7,77, son record. Ça va être intéressant, Mathilde, de voir la réponse de Llopis à oui, Belossian. Exactement, l'Espagnol qui a dû voir le temps de Willem à la première série et qui doit montrer que lui aussi il est en forme pour la finale. Tu faisais pas des courses, mais tu surveillais ce que les autres faisaient, les adversaires. J'adore les haies, je trouve ça assez impressionnant de franchir des haies à 1,06 avec autant de facilité, de légèreté. Et là, vous avez ce qui se fait quasiment de mieux en Europe, si ce n'est au monde. Hein. Willem Belossian et Enrique Llopis. Donc, effectivement, c'est du très haut niveau. C'est la troisième et dernière série du 60 mètres et masculin. La meilleure perf pour l'instant pour Belossian, 7,56. Enrique Llopis qui est bien parti dans cette course et qui a pris la tête et qui va aller chercher une probante victoire. 7 secondes 65. Il a répondu par la victoire, mais pas par le chrono. Non, ni par leur chrono, ni par leur lâchement. Je trouve que c'était beaucoup plus crispé que Willem. Et pour le coup, je pense qu'il fait une grosse faute au début. Ouais, la course est un petit peu moins propre. On va la revoir au ralenti. Après, c'est l'énorme avantage de Willem, c'est la propreté technique. Hein. C'est ce qui fait une très grosse différence chez lui. Vous regardez là le départ de cette deuxième série, très poussive pour Llopis. Non, c'est pas lui qui fait le faute, c'est le voisin. Il n'y a pas tant de faute que ça. Le départ un peu poussif. Ça sera une opposition plus qu'attrayante tout à l'heure, 21h40, la finale du 60 mètres et masculin. Ça veut dire qu'il leur reste 1h20
à se concentrer et à se recentrer. Ouais, et à récupérer aussi, hein, ça demande énormément d'efforts pliométriques. Pliométrique, ça peut traduire. Pliométrique, et ben. Là, c'est la kiné qui parle. Non, forcément, mais les qualités pliométriques, c'est-à-dire qu'au passage d'une R106, ce qu'il faut éviter, c'est de perdre de la vitesse. Donc, c'est les qualités de repartir derrière la haie. Et c'est là qu'on voit les très grands coureurs, coureurs et coureuses, évidemment, c'est de quelle manière ils sont. La phase d'amorti derrière l'allée est très très, très faible, et du coup, c'est ça les qualités pionnières, savoir repartir. Merci. Alexis Copello, lui, c'est du triple saut. Là aussi, il faut savoir redémarrer, repartir après les cloches et la foulée pour atterrir dans le sable. Là, c'est pas pour rien que c'est Teddy Tango qui entraîne Willem Bélossian et Sirena Mbamaïla. Hein. C'est les qualités transversales que demandent ces deux disciplines, à mon avis. Dans un concours du triple saut qui s'est accéléré, puisque Andy Diaz Hernandez, l'Italien, a réalisé 17,46 m, meilleure performance mondiale de l'année. Et ce n'est que le premier essai. Il va donc forcément faire mieux. Benjamin Compaoré est en bout de piste. Il a mordu le premier, ça serait bien de se rassurer sur le deuxième, de rentrer une mesure. Parce qu'ils sont neuf. Normalement, il n'y en a que 8 qui en ont 3 de plus. Allez, Benjamin Compaoré sur ce deuxième essai. Oui, ce sera une bonne planche. Plancher assuré. Donc, il y aura une mesure. Et il suffit de faire mieux que 15,56 pour l'instant pour rentrer dans les 8. Ça devrait. Non, pas sur celui-là. Pas sur celui-là, mais il aura un troisième essai, Benjamin. Cette fameuse parallaxe, là, pas en face du bac. La mesure dans quelques instants du deuxième essai de Benjamin Compaoré, 15,83 m. Elle est son meilleur saut de la saison. Il prend la 8e place. Pour l'instant, il a droit à 3 essais supplémentaires. Et c'est lui, surtout, qu'on va suivre avec nos deux yeux et toute notre attention. Andy Diaz Hernandez, le désormais Italien. 17,46 m, excusez du peu, sur son premier essai. Meilleure performance mondiale de l'année. Pour le vainqueur de la Diamond League, la finale de la Diamond League l'été dernier à Eugene. Et on parlait de qualité pliométrique, la manière dont il arrive à gérer l'enchaînement entre le cloche, la foulée et le saut derrière, c'est assez impressionnant à voir. Et hâte que vous assistiez à ce deuxième essai. Come on, il n'y a pas besoin de traduire là, c'est des showman. Hein. Désormais autorisé à concourir pour l'Italie. Et qui a donc battu le record du meeting, évidemment, et réalisé les minima pour les championnats du monde de Glasgow. Mais oui, s'il décidait mordu. D'aller encore plus loin, mais c'est mordu, mais ça veut dire qu'il a la forme de sa vie. C'était un très très joli saut, mais c'est largement mordu. Et on ne va pas trahir un secret, mais en arrivant dans la salle, on a un peu discuté. Et on nous a dit, Andy Diaz, il a les crocs, il a envie d'aller très loin ce soir. Bah écoutez, moi j'ai hâte de voir ça, il n'y a qu'un homme qui est passé au-delà de 18 mètres en salle et c'est Hugues Fabrice, donc on a hâte, et pourquoi pas effectivement 17,46 pour l'instant pour Andy Diaz. Son hauteur, c'est en direct et ça passe et ça continue à monter, 1m91 pour Tatiana Guzin, la grecque. Une série magnifique tout au premier essai là. Record du meeting, évidemment. Pareil, elle frôle la barre, mais ça reste. La championne des Balkans qui s'approche à 3 cm de son record et qui fait effectivement pour l'instant le concours parfait. Ça va être très important pour le ranking, parce que pour le classement du meeting, évidemment, il y a la perf et il y a aussi la position et le fait de faire tout au premier essai. Même s'il y a une belle densité à 1,91, ce sera elle qui sera première. On a baissé les, on passe aux 60 mètres et féminin. Il y aura deux courses. Léa Vendôme, la française, record à 8,20. Finale B, d'ailleurs, c'est les finales. Hein. On va remettre un peu d'ordre dans notre tête, puisque tout à l'heure, en quelques instants, on aura Sacha Alessandrini, la française,
contre Amber Hughes, l'américaine, qui ont fait 8-0 et 8-0-4 en série tout à l'heure. Là, c'est la finale B. C'est aussi intéressant que tout le monde puisse recourir. Exactement, trois Françaises dans cette finale B, Léa Vandom, Megan Branson, Océane Buijoux. On en parlait de l'expérience internationale. Et là, elles ont forcément appris aussi dans la zone d'échauffement, dans la chambre d'appel. Le record du meeting a été battu en série. C'est 8-0-1 désormais, puisqu'il était à 8-0-6. Et le minima, c'est 8-0-2 pour les championnats du monde de Glasgow. Pour nos Français en tout cas, pour les Américains, il y a probablement d'autres critères. Il n'y a que 3 places par pays de toute façon. Mais... Et il y a une grosse densité aux États-Unis. Finale B du 60 mètres et féminin. Sur le papier, Nicola Mossetti fait un record en 8-0-4. Mais attention également à Anne-Maria Nesteriuk, la Roumaine, 8-0-7. Ici Léa Vandôme, notre Française, en profiter pour approcher son record de 8-20. Mégane Granson, c'est 8-24. Tandis qu'à la hauteur, Utebe Kitt, a fait l'impasse à 1,80. C'est le match mental là qui commence. Exactement, c'est pour aller chercher la première place. Hein. Ça sera donc un duel puisque Pekisté a décidé d'arrêter son concours après avoir franchi 89. C'est Krouba, pardon. C'est duel Krouba. Entre Krouba et Goussine, un duel entre la Grèce et la République tchèque que vous suivrez du côté du 100 hauteur tout à l'heure. Mais avant cela, 60 mètres et féminin, finale B. On a fait relever tout le monde pour faire durer un peu le plaisir. C'est parti un peu trop vite. J'allais dire, jusqu'ici il y avait des petites erreurs de starter, mais il n'y avait pas de drapeau rouge là. Là, a priori, effectivement, en tout cas à l'œil, c'est sorti très très vite. Peut-être la Roumaine. La chypriote Daphne Giordiou. Se retrouve toujours en deuxième position. Elle semble le savoir. Après, parfois visuellement on les voit sortir, mais c'est la voisine qui a bougé. Sur hauteur, double fenêtre en direct. Le 1m93 pour Tatiana Gouzine. La grecque pour sa première tentative. Est-ce qu'elle va rester sur une feuille parfaite? Pour être à 1 cm de son record. Non. Bon, a beaucoup sauté aussi. Hein. Beaucoup sauté, mais tout au premier essai. Donc finalement. C'est son huitième saut. Et on va voir du coup si c'est un bon pari fait par la Tchèque. Et Daphne Giordiou, elle a été disqualifiée. Regardez cette image, on ne l'aime pas forcément. Mais c'est la dure loi du sport. Il y a des règles et il faut les respecter. Et c'est la Chypriote qui en fait les frais. La finale B se courra donc à 7. Il faut aussi que toutes ces demoiselles se reconcentrent, parce qu'elles ont vu une des leurs rentrer au vestiaire un peu prématurément. C'est la troisième fois qu'elle se met en place pour le départ aussi. Ça prend du jus, quoi qu'il arrive. Le fameux influx nerveux aussi. Oui, c'est plus joli comme ça.
Cette fois, elles sont bien parties dans cette finale. Bemozetti, l'italienne. À l'extérieur, Tatiana Aoulou. Mozetti Aoulou, c'est probablement Mozetti qui va l'emporter en 8-19 devant Aoulou, la canadienne. Sous réserve, évidemment, des classements. Le chrono, 8 secondes, 19. Confirmation du meilleur temps de la saison réalisé par Nicola Mozetti, l'italienne. 8-18 devant Tatiana Aoulou, la canadienne. 8-21, sa meilleure course de la saison également. 8-27 pour Kite Verlin, l'estonienne. Meeting très international avec les victoires de différents pays. Vous revoyez la finale B au ralenti. Mozetti qui fait la différence sur la deuxième partie de course. Aoulou avait superbement bien jailli. Confirmation des chronos et des classements sur votre écran. Un peu plus de 20h30 si vous nous rejoignez sur Athlé TV, vous faites le bon choix. On va se régaler, on continue à se régaler. C'est le meeting international de Miramas. Déjà une meilleure performance mondiale de l'année, 17,46 m au triple saut, 7 secondes 56 pour Willem Belossian dès les séries. Il y a un champion olympique qui arrive, Salomène Baraga sur le 1500 mètres. Et puis commencent à se mettre en place des hommes très très forts, des lanceurs de poids. Exactement, un gros concours de poids en perspective avec 4 qui ont déjà fait plus de 21 mètres me semble-t-il, et le retour de notre petit français recordman de France, Frédéric Dagé. Il a décidé de se relancer dans un pari fou, dans une année olympique, de revenir au top niveau. La hauteur en double fenêtre, c'était Urba, la Tchèque. Qui a raté ses deux essais, qui lui restait à 1,93, donc c'est bien la Grecque qui gagne ce concours. Puisque oui, tu nous avais dit qu'elle avait fait l'impasse à 1,91, donc il ne lui restait que deux sauts à 1,93. Mais Tatiana Gouzine, elle, il va lui en rester un pour tenter d'effacer cette barre et s'approcher de son record. Et là encore, elle est cumulée des points. Il va lui rajouter 2 cm au record du meeting. Copello pour l'Azerbaïdjan sur votre écran au triple saut, 15,94 m. Pour le désormais master. À vibrer hein, pour le triple saut. Et Benjamin Compaoré qui va faire son troisième essai. Il n'était pas satisfait du tout après son deuxième. Donc, ouais, vous le voyez, 15,83. Hein, donc, doit aller plus loin, Benji. Benjamin Compaoré, c'est un record à 17,48 m. Le champion de France de la spécialité en double fenêtre. Tatiana Gouzine pour sa troisième tentative à 1,93 m. Vous ne manquez rien sur Athlé TV. Benjamin Compaoré d'un côté, Tatiana Gouzine de l'autre. Compaoré qui ne finira pas son saut. Ça va nous permettre d'aller en full screen sur Tatiana Gouzine. Pour peut-être 1,93 m. Non, mais elle aura franchi 1,91 m ce soir. Elle bat le record du meeting et s'offre une superbe victoire dans le meeting international de Miramas. Au final, elle a quand même mis 13 cm au record du meeting. On savait qu'il serait battu celui-là. Attention, parce que c'est peut-être un des premiers grands moments de la soirée, le 60 mètres et féminin. Sacha Alessandrini a approché, tutoyé son record, 8-04 tout à l'heure en série. Mais là, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir du spectacle. Maki Tijalim, la néerlandaise, un record en 8 secondes. Anatot, passé par les épreuves combinées, venue maintenant sur les haies, la hongroise, 8-11. Elle a fait 8-0-1 tout à l'heure en série, record du meeting, elle a un record en 7-92. Amber Hughes, l'américaine, et elle sera à côté de notre française Sacha Alessandrini. 8-0-4 tout à l'heure en série, les minima c'est 8-0-2. On veut y croire, on veut y rêver ce soir. La malgache Sidoni Fiadansaro, record en 8-0-9. Finale internationale avec une Hongroise, Greta Kerekes, 8-0-0 également son record.
une japonaise, Yumi Tanaka, 8-11 réalisée cette saison, et à l'extérieur, la serbe Anja Lukic, 8-14. Le décor est planté, Sacha Alessandrini à la course de rêve pour réaliser les minima. Ah oui, la Yuxa à côté, j'espère qu'elle va réussir à se mettre dans sa roue et aller chercher, pourquoi pas, cette barrière des 8 secondes. En tout cas, c'est le minima pour Glasgow. Et elle aime cette piste de Miramas, elle était montée sur le podium des championnats de France en salle en 2022, ici à Miramas. On est en direct sur Athlé TV, c'est la finale du 60 mètres et féminin du meeting international de Miramas. Le duel annoncé entre l'américaine Amber Hughes, 8-0-1 en série, et la française Sacha Alessandrini, 8-0-4 en série tout à l'heure. Les minima, 8-0-2, le record du meeting, 8-0-1, et si elles allaient casser le mur des 8 secondes. Hughes qui est sorti comme une balle, mais Sacha qui est très Hughes, bien aussi. Ouais. Hughes de l'américaine, Sacha Alessandrini qui s'accroche. Hughes qui va chercher la victoire, 8-0-1. Il va en manquer un petit peu pour Sacha Alessandrini. On va attendre la correction évidemment du chrono. La victoire pour l'américaine Amber Hughes, 8-0-1. Record du meeting égalé. Et la néerlandaise qui prend la deuxième place. Elle va avoir des regrets, Sacha Alessandrini qui n'est pas super bien parti. Il y a quelques fautes. Ouais. Mike Etchin, Alim qui fait 8-0-7 et Sacha Alessandrini 8-10. On va revoir la course au ralenti, ça semble se jouer effectivement au départ. Hein. Ça va très vite le 60 mètres. C'est sûr que ça ne pardonne pas grand chose. Il me semble qu'elle sort bien, mais je ne sais pas si elle n'avait pas une faute sur les premières. Elle sort bien, c'est sûr qu'à côté il y a Hughes. Donc, Voilà. Elle est sortie vraiment comme une balle. Elle fait quelques fautes, Sacha. Il faut aussi arriver à enchaîner deux courses au top niveau. Double fenêtre avec l'Italien Diaz Hernandez, 17-46 pour l'instant, meilleure performance mondiale de l'année dans ce concours du triple saut ici à Miramas. Le drapeau va être blanc. Le drapeau va être blanc. Y a-t-il mieux? A-t-il amélioré la meilleure performance mondiale de l'année sur ce troisième essai? Le record d'Italie, c'est 17,75 m. On va commencer à en rêver. Ce meeting est en train de s'enflammer, la soirée va basculer dans la folie. La performance amène la performance, amène l'ambiance d'un public survolté. Ah, le suspense, le stadium, 17-46, nouvelle meilleure performance mondiale de l'année. Égalé au centimètre près, ça s'appelle un métronome. Ça s'appelle un métronome. Regardez cette feuille de concours. 2 x 17,46. Mais c'est fou, mais c'est extraordinaire. Et c'est signé Andy Diaz Hernandez, le désormais italien. Mais il en reste 3. 3 sauts encore à Andy Diaz. Oui, il reste du spectacle à mon avis parce qu'il en a sous le pied. Il n'a pas l'air satisfait du tout. Les résultats de la finale du 60 mètres et la confirmation de la victoire de Amber Hughes, l'américaine qui améliore le record du meeting, qui l'égale, elle l'a battue en série et elle réalise le même chrono en finale. Sacha Alessandrini prend la troisième place en 8-10, peut-être une finale de regret. La confirmation de la victoire par contre de Tatiana Gouzin, la grecque, à 1,91 m au saut en hauteur, nouveau record du meeting. Michaela Urba, la tchèque, prend la deuxième place avec 1,89 m, un concours de hauteur féminin qui a tenu toutes ses promesses également. Et nos Françaises un petit peu plus en difficulté dans ce concours de saut en hauteur. Le triple saut, c'est Préval Raoult. On a gardé tout le monde au final. Les 9 ont droit à 3 essais supplémentaires. Lui qui pour l'instant a réalisé 15,56 m. Et vous voyez le saut à la perche. On est à 5,40 m. Isaac Palat, c'est au pied du mur. 5,40 m, ça fait un joli mur. Et c'est parce que c'est sa troisième tentative. S'il veut rester en vie dans ce concours, il lui faut impérativement franchir cette hauteur. Et il égalerait son record personnel, le Bordelais,
entraîné par Daniel Dosevi. Ils sont quatre à avoir déjà franchi cette barre. Ah, dommage. Il la touche vraiment en montant. Il y avait de la place pourtant. Voloche, Thierry, Buharo et Mig ont franchi cette barre à 5,40 m. Buharo et Mig, les inséparables qui ont gagné à Super Dévolu et à Bordeaux à égalité. Et là, sont encore à égalité puisqu'ils ont eu recours tous les deux à une deuxième tentative pour effacer 5,40 m. Au cours de Saut à la perche dans lequel on va retrouver Mathieu Collet, le Grenoblois, pour sa troisième tentative à 5,40 m et peut-être être le cinquième à franchir cette barre. Un cours dans lequel les Chinois et Japonais se sont arrêtés prématurément en ne franchissant que 5,05 m. Là aussi, on est sur un gros temps fort de la soirée qui promet beaucoup. Ce sont les séries du 60 mètres masculin. Il y aura 4 courses et il y aura du spectacle forcément dans toutes les séries puisque on met les meilleurs, on les dispatche dans toutes les séries. Et l'opposition, ça sera tout à l'heure à 21h40. À suivre notamment le Kenyan en Maniala qui est record national avec 6,54. Et dans cette première série, on aura des yeux sur deux attractions. Le japonais Akiro Higashida qui vient de réaliser 6,59. Et sur Arthur Cissé, l'ivoirien détenteur du record de Côte d'Ivoire avec 6,53. Et sur Lucas Hamza Pepra, l'allemand avec 6,58, c'est dire la densité de ce 60 mètres masculin qui nous est proposé ce soir au meeting international de Miramas. Le record du meeting, c'est 6,57. Par Romagnala, par Arthur Cissé l'année dernière. Les minima pour les championnats du monde, retenez-les. Ouais, et ça aura son importance parce qu'on a une attraction française qui s'appelle Toraval. Ah. Qui a fait 6,60, on a Jeff Arius qui a fait 6,62. Quand on parle de 6,58, on n'est vraiment pas loin. Trois Français à suivre dans cette série, Alex Rimbert, Paul Lada et Mathieu Dunant. Allez, la première course du 60 mètres, 4 séries. Excusez du peu. Ça va se jouer dans les couloirs centraux, sans porter offense évidemment aux autres. Mais le japonais Akiro Higashida et Arthur Cissé devraient se disputer normalement la victoire. Eux qui ont déjà couru en moins de 6,60. L'allemand Hansa n'est pas au départ. L'excellent départ d'Arthur Cissé, l'ivoirien, qui va aller chercher la victoire sans aucun problème. Arthur Cissé en déroulant 6,65. Ce sont des garçons qui ont fait moins de 10 secondes sur le 100 mètres et ça se voit forcément. Arthur Cissé l'emporte sans problème. Triple 6, 6,66. Tout en musculature, Arthur Cissé. Ouais, c'est presque dommage d'avoir autant relâché à 3 mètres de la ligne. On garde pour la grande finale tout à l'heure. Ben oui. Il y aura de l'opposition, il y aura Omagnala. Il y avait un petit meeting à aller chercher quand même. Il y aura Omagnala, il y aura Toraval, il y aura Arius. Ça sera une finale de feu que vous vivrez en direct sur Athlet TV. Rendez-vous 21h40 ce soir, vous ne faites rien d'autre. C'est Plateau Télé. Pour vivre de l'athlé de très haut niveau. De l'athlé gala au meeting international de Miramas avec ce meeting silver, meeting argent d'European Athletics, la confirmation des résultats de cette course et de la victoire d'Arthur Cissé tout en relâchement sur la fin. Soit la perche, Jean Voloche, le français à 5,55 m pour sa première tentative. Meilleur saut de la saison à 5,40. S'il passe 55, il met 5 cm à son record personnel. Ce sont forcément des hauteurs qui commencent à être plus difficiles à aborder
Ouais, mais c'est le soir pour le faire, hein, dans un meeting comme ça, avec du monde pour lui montrer l'exemple devant, avoir déjà passé ses 5,40. Vous parlez tout à l'heure du petit grain de folie, de la dynamique. Est-ce que ça compte quand la soirée s'enflamme? Ça nous emmène tous vers la perf? Alors j'aimerais bien dire que je l'ai vécu en salle parce que bon, c'est déjà fait, malheureusement c'est qu'en extérieur, mais je pense qu'en effet le fait que la salle ait cette proximité, ce bruit, etc., ça doit forcément faire prendre un peu toutes les disciplines autour. Et l'ambiance, elle est là, 4000 personnes présentes dans le stadium Miramas Métropole. C'est une salle qui peut comporter 5500 personnes, hein, excusez du peu. Et qui fait le plein pour ce meeting international? C'est Pedro Buaro que vous avez à l'image, le détenteur du record du Portugal, réalisé du côté de Super Dévolui à l'occasion du Perche Elite Tour, et qui s'attaque à 5,55 m. Deux essais pour franchir 5,40 m, on va voir si c'est réglé. C'est un garçon qui est régulier à plus de 5,70 m cette saison, et qui là s'offre un boulevard au-dessus de la barre. Il avait franchi 75 sans aucun problème à Super Dévolui et s'était attaqué à 5,82 m, tout comme Robin Hemig. Et on a 4 garçons encore qualifiés à 5,55 m. Buaro, le portugais. On voit un beau renversé, il met une belle valise. Il y a de la place là-haut. Ouais. Il regarde son coach, on dirait, pour vérifier. En fait, c'est Damien Innocencio qui l'accompagne sur la compétition, lui donne des conseils, mais c'est pas son entraîneur. Oh. Voilà, c'est ce que Damien nous confiait, mais bon, il coach tout le monde, Damien. Toujours disponible. La deuxième course du 60 mètres masculin avec une autre attraction de ce meeting. L'international kényan Ferdinand Omanyala, licencié au club de Miramas. Qui a réussi 54 sur la distance. Vous découvrez donc les engagés de cette deuxième course. On a vu tout à l'heure, tout en décontraction, la victoire d'Arthur Cissé. 6,66. Abdul Karim Rifaim pour les Comores, 6,78. Mamadou Fall Sarr, Sénégal, 6,65 réalisé cette saison. Et à côté, c'est le très musculeux Ferdinand Omanyala, 9,77 hein, sur 100 mètres, finaliste des championnats du monde. Et puis pour le 60 en 6,54. Kayan Ozer, lui, a réalisé 6,58 déjà dans sa carrière, le Turc. Victor Contaré, le Français. David Morgan Harrison, d'abord, à l'écran. Oui, pardon. Et qui n'a pas le gabarit d'un Anglais habituel à ce niveau. Et Contaré, il est là. Alan Lagui, l'autre Français. Voilà, vous l'avez dit, deux Français à suivre dans cette course, Victor Contaré, Alan Lagui. Et qui ont la chance là d'être invités au banquet des grands et de participer à une course où il y a un garçon qui a couru une finale mondiale. Et là aussi, on apprend. C'est ça, il ne faut pas se laisser impressionner, il faut profiter du moment, aller chercher son record. Profiter de la fusée au Maniala qui va être lancée, lui qui est désormais licencié dans le club de Miramas. Dans le cadre du partenariat entre le Kenya et la ville de Miramas. Répondre à Arthur Cissé qui vient de faire 6,56. Victor Contaré, il fait du mal plaisir. Il avait cru qu'il fallait se relever. Mais non, non, restez focus. Cette fois, c'est bien parti. Excellent départ de Maniala qui va dérouler la machine et qui va aller chercher la victoire. Sans problème, ouais. En 6,62 devant David Morgan Harrison, le Britannique. Moi, je préfère voir ça quand il court jusqu'à la fin de la ligne. Oula, attention. Attention, parce que là, on peut se faire très mal en redescendant comme ça. Une cheville qui tourne, il semble y avoir plus de peur que de mal pour Ferdinand Omanyala, et tant mieux, 6,62. Il a donc répondu à Arthur Cissé qui a fait 6,66 tout à l'heure. David Morgan Harrison fait 6,68, on va avoir une finale de feu. Hein.
Et on a aperçu derrière Frédéric Dager et son entraîneur Magali Brissot qui était en train de débriefer au lancer du poids. Parce qu'il se passe plein de choses, vous ne manquerez rien évidemment, mais pour l'instant c'est la série du 60 mètres masculin remportée par Romagnala qui a jeté le petit coup d'œil quand même à droite. Victor Contaré en profite pour réaliser son meilleur chrono de la saison, 6,79. Ouais, c'est là où on peut se faire très très mal. Hein. Petite, solide comme il est, petite inattention. Petite inattention. Confirmation donc de la victoire de Romagnala. Devant un Britannique et un Turc, meeting international qui porte bien son nom ce soir à Miramas. On va peut-être aller au triple saut où Andy Diaz est en bout de piste. Si on peut avoir Baptiste Thierry à 5,55 et Andy Diaz, qui sait ? Nicolas Ruot a ses équipes mobilisées pour nous offrir tout ça. Il suffit de demander, le magicien est aux manettes. Baptiste Thierry à droite, Andy Diaz, le meilleur performeur mondial de l'année, 17,46 m pour l'instant. Il peut aller encore plus loin, ça semble mordu. Le drapeau est rouge, effectivement. Et au saut à la perche, Buaro et Mig. On franchit 5,55 m, Baptiste Thierry va tenter de les rejoindre. C'est dommage, ça manque de rythme sur la fin. On sent, vous parlez d'une petite grippe, on sent un manque d'énergie justement dans les derniers appels. Moins de vitesse d'exécution effectivement pour Baptiste Thierry qui aura quand même recours à une troisième tentative pour effacer cette barre à 5,55 tout comme Wolok, le monégasque. Buaro et Mig ont eux effacé cette barre. C'est surprenant, il a une très longue course d'élan, Baptiste, et on voit qu'il arrive à. Enfin, il crée bien de la vitesse horizontale, après réussir à le transférer dans la perche, à faire plier sa perche et à bien créer de la profondeur à son saut. On sent que dans la transition, il manque quelque chose à l'impulsion. Et c'est ce qu'il nous expliquait à Super Dévolu. Il disait qu'il choisissait aussi ses lieux de concours en fonction de la longueur de la piste d'élan, parce qu'il a justement une très longue course d'élan. Troisième série du 60 mètres masculin et attention parce que là c'est très intéressant pour les Français ce qui va se passer parce qu'il y a d'abord Aymeric Priam qui est là, 6,64 son record, 6,76 cette saison pour le Martiniquais. Il y a Andrew Robertson qui ne faut surtout pas sous-estimer, c'est 6,54 son record, 6,65 cette saison. Mais attention, parce qu'à côté il y a Antoine Toraval, la fusée de Mondeville, flashée à 6,60 cette saison. Allez, deux petits centièmes et c'est Glasgow. Ibrahima Camara, le Gambien, 6,68. Un autre Kenyan, Tyson Omondi Juma, 6,97. Et à l'extérieur, quasiment dans son jardin, d'Athlé Provence Club, Jérémy Leroux, 6,69. Antoine Toraval qui détient la meilleure performance française de la saison et qui connaît la piste de Miramas puisqu'il était vice-champion de France Espoir ici l'hiver dernier. Ça va se jouer entre Andrew Robertson et Toraval et qui sait peut-être Aymeric Priam. Oui, ça serait bien qu'il s'invite à la fête, Aymeric Priam. Un petit doublé français dans cette série, ça serait bien. Le record du meeting, c'est 6,57. Les minima, c'est 6,58. Il ne faut pas se poser de questions, Antoine Toraval, pour d'abord pouvoir s'inviter dans la grande finale et ensuite confirmer l'extraordinaire performance réalisée du côté de Aubière. Et pour ça, il faut prendre un super départ. C'est ce qu'il a fait, Antoine Toraval. Et il est en train de mettre la machine en route jusqu'au bout, Antoine Toraval. 6,62, il vient confirmer son super début de saison et il va s'inviter dans la grande finale du meeting international de Miramas. Antoine Toraval va courir tout à l'heure à côté d'Omagnala et Cissé. Et ce qui est important, c'est qu'il est allé chercher la victoire. Exactement, il est allé chercher la place parce qu'il va avoir un meilleur couloir du coup dans sa finale et il sera entouré des deux autres qui ont gagné chacun leur série. Je pense que ça. S'il n'avait pas relâché dans la première série, ça aurait retourné autour des mêmes chiffres. Donc 6,61, 6,62, 6,65. Et puis il fait une superbe impression. Visuellement, il y a 8 centièmes en plus d'écart avec Robertson, excusez du peu. Mais regardez, super départ.
et derrière ça déroule. C'est très propre, on voit qu'il reste bas à son départ très longtemps. Il est bien placé. Il célèbre même un peu avant la ligne. Ouais, il a un peu déroulé. Ça, tout à l'heure, en finale, il ne faudra pas le faire. Alors, ce n'est pas le même gabarit. Hein. Il sera entouré en finale de deux armoires. Ça va être le premier vrai grand test pour Antoine Toraval. Et ça va être intéressant de le voir. Ça sera tout à l'heure, 21h40, en direct sur Athlé TV. 6,62. Bah, il réalise le même chrono que Ferdinand Magnala. Hein, je croyais que c'était ramené à 61 tout à l'heure. Lancer du poids. On y va, regardez, on est dans la cage. Et pourquoi on est dans la cage? Le Jamaïcain Campbell, encore à 22m22. Faites attention, ouvrez la porte de l'autre côté. Ce garçon, Rajendra Campbell, lance à plus de 22 mètres. 21-13 cette saison, pardon. Dans un concours emmené pour l'instant par Scott Lincoln, le Britannique, qui a battu le record du meeting avec 20m07. Attendre la mesure, concours dans lequel Fred Dagé a réalisé 19m07 sur son premier lancé. Alors Miramas a la particularité de lancer de la ligne d'arrivée à la ligne de départ, ce qui est rarement le cas dans les salles a priori. Ah oui, c'est vrai que c'est original dans ce sens-là, mais je ne m'étais pas aperçu de la différence. Et 19m87 pour Campbell. Le Jamaïcain qui m'a confié ses perfs en muscu. C'est assez impressionnant. En squat 295, en bench 192, en soulevé de terre 285. Pour 131 kg de poids de corps, c'est des gros bébés, ces lanceurs de poids. C'est 131 kg. On ne pourra pas aller l'embêter tout de suite alors. Non. Hein. Ou alors tu passes devant. Mais je pousse Fred devant alors. 20m07 pour l'instant pour Scott Lincoln. On aura évidemment l'occasion de revenir au lancer du poids. On n'est que dans le premier essai. Jeff Herius, lui, sera au départ dans quelques instants. Vous l'avez vu, de la quatrième série. Il est là. Alors, sur la start list, il n'était pas là. Jeff Herius, il n'était pas censé être dans ce couloir. C'est pas très grave, mais il est là. Et tant mieux, le recordman de France junior de la spécialité, c'était l'année dernière du côté de Aubière, le champion de France élite. Ouais, c'est bien ça, oui, il a bien un petit souci, bah, il a réglé son start. Donc, on va peut-être aller voir ce qui se passe sur les concours, le temps que le starter se mette d'accord avec Jeff Herius, et en particulier du côté du triple saut avec Pereira, qui est troisième pour l'instant. Une planche parfaite. Il a fait 16-48. Pour l'instant, bon, là peut-être c'est 17-46, hein, c'est Hernandez. Buaro, le portugais, c'est du saut à la perche. Ils ne sont plus que deux dans ce concours, hein, ils s'attaquent à 5m65. Pedro Buaro, c'est un record à 5m75. Ils sont à égalité là. Et s'il passe, c'est le record du meeting. Encore un. On va les compter, c'est à l'appel hein, ce soir. Allez, Buaro. Il nous a fait forte impression à 55 tout à l'heure. Une très belle impulsion, ouais. Oh, très, très beau. Oh que oui. Et ce soir, il y a peut-être plus que ça. Il y a peut-être plus que 5m75 que constitue le record du Portugal. Les minima olympiques, c'est 5,82. On sent qu'il se sent confiant en plus. C'est vraiment très très propre, ouais. Pour le coup on parlait de transmission entre la course d'élan et réussir à rentrer dans sa perche, là l'impulsion était parfaite. Il a montré les muscles, maintenant il faut la réponse. Et là, lui il en a des muscles aussi. Mathilde, exact. Tu nous as dit que c'est lui qui allait gagner. Ah moi je suis Robin Emig. Complètement. Gap aux Alpes. Je suis complètement Robin Emig. La Emig Mania. Le triple saut en double fenêtre avec Robin Emig, c'est pour Lipsanen, le Finlandais. Il est deuxième pour l'instant avec 16m64. Un style complètement différent qu'en Didias, ça semble rebondir. C'est beaucoup moins aérien. Ouais. La mesure dans quelques instants, allez, mais avant cela, Robin Emig pour répondre à Buaro, le Portugais. 5m65, ça manque un peu de vitesse là. C'est dommage, il est un peu dessous, on dirait, il rentre pas complètement dans sa perche, mais j'ai l'impression qu'il rythmait pas la course d'élan pareil que tout à l'heure sur la fin.
manque un peu de vitesse effectivement. Une info du triple saut, Simo Lipsanen a mordu et Andy Diaz ne sautera pas au cinquième. Petite impasse pour garder du jus. Et s'il gardait tout sur le sixième? Ah, ça on aime. Et ben, c'est vrai que le quatrième essai était très impressionnant. Le mordu de quelques centimètres, hein. 17-46 deux fois. Meilleure performance mondiale de l'année pour Andy Diaz, qu'on retrouvera donc pour un sixième essai tout à l'heure. Ça y est, on a remis tout le monde dans le bon ordre du côté du 60 mètres, la quatrième série. Ça va nous permettre de vous présenter ces garçons avec le Kenyan Odhiambo, qui fait ses grands débuts sur la distance. Emmanuel Alopvédé et Sémé, le Camerounais du Stade Sotteville. Adam Thomas, 6,56, le Britannique, qui a réalisé ses 59 cette saison. Là, c'est un client aussi, hein. Attention. Le champion de Grande-Bretagne. Jeff Herius, le champion de France de la spécialité. Qui a retrouvé sa place. 6,61. Oui, il est là, c'est bon. Il est bien ça, dans son couloir. Et après, c'est un quatuor tricolore que l'on retrouvera, puisqu'à côté de lui, ça sera Jerry Lecomte. Et c'est 6,68. Martin, Marcel Diagne et Johan Ibeka. Ça va être très intéressant de voir comment Jeff Herius va répondre à Adam Thomas, le Britannique. Il va y avoir une belle bataille entre ces deux garçons. Adam Thomas, finaliste des championnats du monde en salle l'hiver dernier en 2022. Et Jeff Herius, recordman de France junior. Il est tout jeune, hein, Jeff Herius encore. On le voit d'ailleurs au profil entre Thomas le Britannique, un peu plus âgé, et Jeff Herius, désormais espoir. Je pense qu'il faut compter avec Yesemi au couloir 2 aussi, au couloir 3 pardon. Le Camerounais du Stade Sotteville désormais. Et pour l'instant nos Français sont au rendez-vous. Thoraval a réalisé 6,62. Le meilleur temps des séries avec Omagnala. S'il y en avait un autre en finale, peut-être au bout de cette quatrième série du 60 mètres. Le bon départ d'Adam Thomas, le Britannique Jeff Herius qui met la machine en route. Mais ça va être Essémé devant Herius et Thomas. 6,62 pour Essémé. Et Jeff Herius va prendre la deuxième place qui devrait normalement lui ouvrir les portes de la finale. On va attendre le chrono, 6,62 pour Emmanuel Essémé, 6,66 pour Jeff Herius qui sera dans la grande finale tout à l'heure. On aura deux Français en finale du 60 mètres et tant mieux. Thoraval et Jeff Herius, Omagnala a réalisé le meilleur temps, 6,62, tout comme Thoraval et Essémé. Les autres. C'est le Britannique qui est le mieux parti, mais il a jailli littéralement. Ouais, après le Camerounais a mis les jambes, mais c'est vrai que c'est pas le même gabarit. Hein. Même Jeff Herius fait une belle deuxième partie de course. Ouais. Hein. Et record du Cameroun pour Emmanuel Essémé. Ah. 6,62 sur la piste de Miramas. Oui, exact, il avait un record à 6,66. C'était mon dossard au jeu, 666. Pas le chiffre du diable? Ben si, il m'appelait El Diablo dans la appelle. Qui peut réussir ses jeux avec un dossard 666? Il fallait le retourner. Lincoln, 20m07 pour l'instant pour le Britannique. Joli gabarit là aussi. C'est très très bien parti ça. Partie, c'est la vitesse à laquelle ça quitte le bras. Oui, puis l'angle d'envol de la parabole, que ce soit la vitesse d'éjection ou l'angle que ça prend. La fameuse angulation. Alors c'est pas la même que javelot, mais c'est vrai que quand le dernier appui du coup est suffisamment solide, on voit que ça monte un peu plus. 20,53. Donc il améliore le record du meeting. 50 cm de plus. Oui, non, c'était. Oui, bah oui, c'était. C'était lui, 20,07. Ah, Chuck. Alors, je vais pas dire son nom de famille. Enekveshi. Enekveshi. Un record à 21,80. Ça va bien, là aussi. Je sais
pas si c'est mieux que les Britanniques, mais en tout cas c'est très très explosif. Ils sont réveillés, en tout cas ils sont trois à avoir fait plus de 20 mètres hein, là, sur le deuxième essai. Je vous parlais des performances cul de Campbell le Jamaïcain tout à l'heure. Enek Veshi c'est 1m80, 133 kg, 374 kg en squat. C'est monstrueux. C'est monstrueux. 300 kilos, c'est quoi? C'est mettre trois machines à laver, hein. C'est pas, c'est pas facile. Hein. Vous mettez 3,5 Clément Bress. Et 20,69 pour Enek Veshi, voilà, qui prend la tête et qui bat le record du meeting avec 20,69 m. Et Hess, l'Allemand, au triple saut pour son sixième essai. Il est quatrième pour l'instant. Avec 16m32, il lui faut gagner 20 cm pour aller chercher la boîte. Il lui faut gagner 1 mètre pour aller décrocher l'indétrônable Andy Diaz, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année avec 17m46. On est dans le money time du concours du triple saut. Le sixième et dernier essai. Et Campbell en double écran. Au lancer du poids, le Jamaïcain un peu plus en difficulté, ouais, avec son lancer. C'est moins explosif en tout cas. Et il aborde. Allez, Hess. Hess, l'Allemand. Sur le podium des derniers Europe. Ah, c'est dommage. Ah, ouais. C'est une très mauvaise planche. Et forcément, il l'a payé sur le dernier. Oui, Hess. Moi, je parle allemand et je dis pas Hess. Non, franchement, qui fait ça. C'est pas Deutsche Qualité. Il se passe beaucoup de choses. Si vous nous rejoignez un peu plus de 21h sur Athlé TV, on va basculer sur le 400 mètres féminin. Deux courses, la finale A et la finale B. C'est d'abord la finale B qui se présentera au départ, une course 100% française. Le record du meeting, c'est 53 secondes 21. Pourrait déjà être inquiété dans cette course. Fanny Pelletier est là, la Française, 53-50 son record. Désormais licenciée du côté de Belfort. Elle a quitté la banlieue lyonnaise pour Belfort. Elle s'entraîne plus régulièrement aux États-Unis. Emma Montoya, Denis Côte d'Azur Athlétisme. Mélissa Grosjean, un record en 54-51 réalisé cette saison. Côté de Aubière. Eleonora Guillon-Firmin, un record à 53-19. Et si on fait un tout petit peu de radio pour vous expliquer ce qui se passe au saut à la perche, Robin Emig a nous manqué une deuxième fois à 5m65. Il a décidé de faire l'impasse et de garder un saut à 5m75 pour affronter Pedro Buaro et donc aller chercher la victoire. Le tout pour le tout, exact. Et ça peut. C'est son record, 5,75. Et c'est Camille Seri du Nice Côte d'Azur Athlétisme qui détient le record du meeting jusqu'ici avec 53-21 aux 400 mètres. On verra dans la deuxième course la finale A. Problème de start, elle se relève. Très beau lancé à l'instant du Roumain au poids et Emig à... Robin Emig, merci Nicolas Ruot pour la double fenêtre qui va nous permettre de suivre le tout pour le tout dans cette seule tentative à 5m75 pour Robin Emig. S'il passe, il égale son record, mais surtout il reste en vie dans le concours. Allez Robin, il faut arriver à faire le saut parfait. Le rythme. Oh, record personnel pour Robin Emig.
pour le tout sur un saut. Il avait gardé une tentative à 5m75 et ça a marché. Le coup de poker était osé, mais Robin Emig est un immense champion. Et record du meeting. Oh, super. Magnifique performance de Robin. Et ça, surtout, ils vont s'attaquer au minima olympique dans quelques instants, puisqu'ils tenteront 5m82. Incroyable. Allez, cette fois on y va sur le 400 féminin. Elles ont patienté, mais c'est bien normal. Il y avait une perf majuscule signée Robin Emig qui rejoint Pedro Buharo. Deux garçons ont franchi 5,75. C'est la finale B du 400 mètres féminin. Une finale B 100% française. Le 400 mètres féminin, deux tours. Le record du meeting, on vous l'a dit, c'est 53 secondes 21. Un bon départ de Fanny Pelletier qui a fait l'écart sur Emma Montoya. Ça va être intéressant effectivement de voir comment la Française qui n'a pas couru cette saison va aborder ce 400 mètres. Lénora Guillon-Firmin également, idéalement placée là au rabat. On va avoir une belle bataille. Elle est très très bien placée, Fanny Pelletier. Emma Montoya. Montoya en tête devant Lénora Guillon-Firmin et Fanny Pelletier à l'entame du dernier virage dans ce 400 mètres féminin. Le record du meeting, 53-21. Ça risque d'être un peu dur. Emma Montoya quand on remet dans la ligne droite. Lénora Guillon-Firmin. Le mur du 400 mètres. Montoya pour peut-être tenir la victoire. Montoya qui va tenir la victoire dans un chrono officieux de 54 secondes 66. Ça a été dur sur la fin de course pour Emma Montoya. Ah ouais, le chrono officieux était bien corrigé puisqu'il est de 53-97. Oui, je trouvais Fanny Pelletier beaucoup mieux placée déjà après le premier tour. Et j'ai trouvé Emma qui avait l'air de piocher un peu plus après les 200 mètres. Et en fait c'est Emma qui gagne cette course. On avait gardé un peu sous le pied. La dernière ligne droite a été très dure pour Emma Montoya qui l'emporte finalement. 53 secondes 97 devant Lénora Guillon-Firmin. 54 secondes 08. Et dans le concours du triple saut, Andy Diaz-Hernandez ne sautera pas son sixième essai. Il remporte donc le concours avec 17,46 m devant le Finlandais Simo Lipsanen, 16,64 m, et le Portugais Thiago Pereira, 16,53 m. Une petite meilleure performance mondiale de l'année. Vous prendrez bien ça. Les résultats du 400 mètres féminin qui vient de se courir sur votre écran. Et la confirmation de la victoire d'Emma Montoya. Au saut à la perche, Pedro Buharo fait l'impasse à 5,82. Non, c'est pas possible. Ben non, il est en bout de piste. Non, il est en bout de piste. Alors là, il y a quelques petits soucis sur le CIS, a priori. Un petit souci de CIS. Buharo. On va attendre confirmation de tout cela. Oui. 5,82 pour Buharo. Non, ça ne passera pas. C'est dommage, hein. C'est pas du tout le même saut qu'à 75. Souvent, la barrière psychologique, ça joue beaucoup au saut à la perche, notamment. Ouais. Parce que c'est un saut en mettre jeu. Une valise, voilà. Vous pouvez mettre une valise à 75 et on vous rajoute 7 cm et c'est pas du tout le même saut. Un saut en jeu parce que 5,82, c'est les minima olympiques pour Paris. C'est par World Athletics. Là, ça touche en montant, effectivement, pour Buharo. C'est beaucoup plus compliqué derrière. Est-ce que c'est par Robin, du coup? Alors, je pense qu'il y a on a un souci de CIS en fait. Et
Le 400 mètres féminin, c'est la finale. Attention, ça va aller très vite. Zoé Chérard, la Canadienne, 52-60. Camille Seri, la détentrice du record du meeting, qui a déjà couru en 52-48. Et qui doit profiter de cette course pour aller claquer un chrono. Et on retrouve le duo entre Louise Maraval et Zoé Chérard, que Louise a remporté à Nantes avec 52-58. Eva Stambiran, l'Espagnole, 53-05, et Mathilde Descoux en 54-60, son record. Le record du meeting devrait être battu. Sauf catastrophe, évidemment, mais normalement, il vit ses dernières minutes, 53-21. La meilleure performance française de l'année, c'est 52-37. Les minima pour les championnats du monde, 51-60, ça va être très compliqué. Vous avez vu le regard déterminé de Camille Seri. La finale du 400 mètres féminin à l'extérieur, la Canadienne Zoé Chérard. Une partie très forte, Camille Seri doit profiter de l'aspiration. Attention, retour de Santidrion, l'Espagnol. Allez, il faut se caler là, Camille Seri, et bien tenir. Allez. À l'entame du dernier tour. Très bien, elle se rabat bien, Camille en deuxième position. Zoé Zérard, c'est 52-60. Camille Seri, c'est 52-48. C'est pas les mêmes gabarits, mais elle est idéalement placée. Camille Seri, là-bas, ligne droite opposée, pour peut-être aller chercher une victoire de prestige dans cette étape argent d'European Athletics et donc prendre des points au ranking. Ah, c'est bien, elle va faire l'extérieur, elle va tirer sur les bras. Camille Seri, peut-être pour la victoire dans le 400 mètres. Zoé Chérard, Camille Seri, Zoé Chérard, la Canadienne qui va l'emporter en 53-34 officieux. Elles nous ont peut-être fait mentir. Le record du meeting va peut-être tenir une année de plus. 53-31, et ben c'est ça. Camille Seri restera record woman du meeting. Avec 53-21. Et on est allé aux infos, au saut à la perche, et on a toutes les infos. 5,75, c'est passé pour Robin Emig. Pedro Buaro a manqué 5,75 à sa première tentative, fait l'impasse et gardé deux sauts à 82. Il a donc manqué un saut à 5,82. Il va lui en rester un seul. Donc tactiquement, l'impasse de Robin lui permet d'être en tête de ce concours. Les inséparables Buaro-Emig, et ben pour une fois, ça va peut-être basculer à l'avantage de Emig. Et s'il venait couronner tout cela de 5,82 m? Et s'il venait s'offrir un minima olympique? Et la meilleure performance française de l'année avant le concours de Metz demain, dans lequel on retrouvera Thibaut Collet. Robin Emig, Gapoz Alpes Athlétisme, 5,82, première tentative. Allez, il faut le faire là tout de suite. Non, il a pris plus gros, il a changé de perche. Je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est la même que celle à 75, mais il s'est pas renversé dans le bon timing, pourtant il est bien rentré dedans. Mais il y a moins d'enjeux, on va dire, parce qu'il lui reste deux tentatives. Alors que Buaro, ben, avec les impasses, il lui en restera plus qu'une. Et Robin Emig est allé chercher les conseils de Franck Roland, son entraîneur du côté de Gap. Le chef d'orchestre de l'étape du Perchélie de Tours a super dévolu. Ils échangent beaucoup. Et Robin Emig, il rentre d'un stage d'une dizaine de jours du côté de Bordeaux. À l'issue du Star Perche organisé par Marion Letout et Damiel de Séville, ben, il est resté à Bordeaux pour changer d'environnement, changer de team d'entraînement, trouver une team d'entraînement également. Et elle est de qualité là-bas avec Damiel de Séville, Margot Chevrier, Marie-Julie Bonin, Isaac Palatz, que l'on a vu. Puis il fait peut-être un petit peu plus chaud qu'à Gap. Oui, et puis c'est vrai que c'est une vraie famille, la Perche. Ils ont une vraie belle cohésion. On a un très gros niveau en France et ils viennent chacun se tirer vers le haut les uns les autres. C'est assez super. Et puis c'est vrai à l'international aussi, parce que dans tous les concours, on les voit qui échangent entre perchistes et entraîneurs.
Le 1500 mètres féminin à suivre, là aussi il va y avoir du niveau, mais il y a de toute façon du niveau sur toutes les épreuves ce soir. Le record du meeting, c'est 4,09,80, réalisé l'année dernière par Cavalli, l'italienne. Vous allez découvrir les différentes engagées de cette course, dont Agathe Guillemot, la néo-détentrice du record de France du mile réalisé à Ostrava il y a quelques jours de cela. Lydia Lagathe, qui a 4,07,02 en extérieur, mais n'a jamais couru en salle. La Française Katia Delarge qu'on vient d'apercevoir. On suivra également Rivi Walcott-Nolan, la Britannique, championne de Grande-Bretagne, en record en 4,03,93. Les minima pour les mondiaux de Glasgow, 4,06,50. Et pourquoi pas pour Agathe Guillemot profiter de cette belle course où elles sont quelques-unes à avoir couru en moins de 4,10. Pedro Buaro en double fenêtre pour son ultime tentative à 5,82 m. S'il passe, c'est son record, le record du Portugal et les minima olympiques. C'était ça un peu mieux que le premier essai, mais ça ne sera pas pour ce soir. Ouais, il a de quoi avoir des regrets. Et donc Robin Emig gagne ce week-end. Tu avais raison. Donc. Victoire pour Robin Emig, mais je suis sûr que Robin Emig il en veut un petit peu plus ce soir. Il reste encore deux essais pour aller chercher 82 et plus. C'est très sympa au saut à la perche, c'est les encouragements entre athlètes. Là c'est Robin Emig qui est le premier à aller féliciter Pedro Buaro. Plus, il ne se quitte pas depuis 4 semaines. Donc, ouais, on ça disait, rapproche. C'est vraiment une famille. Et puis le All-Star Pêche, pour ça, c'est assez génial. Allez, le 1500 mètres féminin. Pour le record du meeting, c'est 4,09,80. Les minima, Mathilde nous les a rappelés. 4,06,50. Il y a un lièvre, forcément, comme dans tous les meetings. Il faut venir se placer idéalement, ce que fait Agathe Guillemot. En troisième position, la sociétaire de Haute-Bretagne Athlétisme, sélectionnée au championnat du monde de Budapest l'été dernier et qui rentre d'Ostrava, un meeting gold du Continental Tour dans lequel elle a battu le record de France du mile, excusez du peu. Après, les voyages forment la jeunesse, Mathilde, mais fatigue aussi. Ah oui, c'est sûr qu'elle doit cumuler un peu de fatigue avec le décalage horaire, mais parfois l'envie, c'est bien plus que la fatigue. Et le lièvre qui emmène forcément sur le bon tempo pour l'instant. C'est pareil, hein, c'est un meeting silver pour ce 1500 mètres. Les filles, elles vont chercher des perfs, elles vont chercher une bonne place et elles vont chercher des points comme ça pour le classement mondial. La double fenêtre pour le lancer du poids. Avec Frédéric Lagé. Pour son quatrième essai. Lui qui pour l'instant a lésé 19,21 m. Ça ne sera pas mieux puisque là il a décidé de mordre. Sacré challenge que se lance Fred Dagé là, de retour au top niveau. Par contre sur le 1500 il va falloir recoller, ne pas laisser partir la lièvre. Bah, sacré challenge oui, mais il peut y croire parce que justement on en parlait au début en off, mais les critères de sélection pour les championnats, enfin pour les Jeux Olympiques de Paris cette année incluent. Le fait qu'en priorité, le champion de France ou la championne de France de la discipline, si elle fait partie ou il fait partie des 32 meilleurs mondiaux au ranking de World Athletics, a une place pour les Jeux. Donc au ranking l'année dernière, il me semble que c'était un peu moins que son record de France pour être dans les 32. Donc il a quelque chose à aller chercher. Et la saison se construit tout au long des 6 mois à venir, étape par étape. La lièvre s'est écartée. Il va maintenant y avoir l'explication sur ce 1500 mètres féminin. Il restera 3 tours. Ouais, Agathe est pas mal, Agathe Guillemot bien placée pour l'instant. Il ne faut pas qu'elle se fasse enfermer à la corde, mais elle a l'air... Non, là il ne faut pas se laisser piéger, mais Agathe Guillemot, attention, ça bond un petit peu, elle fait l'effort et elle accélère là-bas, ligne droite opposée. Pour prendre ses responsabilités à l'athlète de Haute-Bretagne Athlétisme qui a décidé d'accélérer au passage sur la ligne. Il restera 2 tours à parcourir pour peut-être aller chercher la victoire.
Agathe Guillemot en tête du 1500 mètres du meeting international de Miramas. Allez, un record du meeting à aller chercher. Ah, il y a peut-être mieux à aller chercher si elle finit bien. Agathe Guillemot qui est en train d'en remettre là-bas, ligne droite opposée. Et c'est bien parce qu'elle se détache un petit peu, Agathe Guillemot. Au passage sur la ligne, la cloche va retentir. Ce sera le dernier tour, les 200 derniers mètres. Oh oui, ça sent la victoire là pour Agathe Guillemot. Si elle arrive à résister. Agathe Guillemot vers la victoire sur ce 1500 mètres du meeting international de Miramas. Il faut finir très très fort. Allez Agathe, il faut en remettre jusqu'au bout. Agathe Guillemot pour la victoire dans un meeting argent du European Athletics. Et qui va aller chercher une belle performance. Le record du meeting va être battu. C'était 4,09,80. Et ça sera donc la meilleure performance française de l'année pour Agathe Guillemot ce soir à Miramas. 4,08,57 pour Agathe Guillemot. Meilleure performance française de la saison. Record du meeting. Avec l'art et la manière. Ah oui, avec l'art et la manière. Elle a failli se laisser enfermer tout de suite. Elle a déboîté, elle a pris les commandes et elle a mené son train jusqu'à la fin. C'était une très belle course. Robin Emig en double fenêtre, 5,82 m, deuxième tentative. Alors, il en restera une. Je ne comprends pas. Mais on voyait dans la gestuelle tout à l'heure que son entraîneur lui demandait de plus rentrer dedans, d'en mettre plus sur la fin. C'est vrai que visuellement, en tout cas, il y a un manque de rythme, mais j'ai trouvé la même chose à 75 et il est monté, donc c'est peut-être aussi son profil un peu comme ça. Agathe Guillemot qui profite d'un petit bain de foule, ça fait toujours du bien ça aussi, d'aller au contact des supporters, de recevoir la bienveillance. C'est bon pour le moral. Ah oui. Ah puis c'est elle qui se met à la photo maintenant. Allez. Il y a cette proximité, cette disponibilité, c'est ça aussi le... Bah on en parlait tout à l'heure, hein, s'identifier pour tous ces enfants, s'identifier aux athlètes qui font des performances en les voyant comme ça, c'est sûr que ça ouvre des vocations après. Rajendra Campbell qui a mordu son quatrième essai au lancer du poids dans un concours emmené pour l'instant par Scott Lincoln, le Britannique, 21,01 m, record du meeting battu. Et oui, Campbell deuxième avec 20,81 m. Et Enegvechi 20,69 m. Concours qui tient toutes ses promesses quand même. Et la meilleure performance mondiale de l'année, c'est 21,84 m pour l'instant. Il reste des essais et il en reste à Lincoln Scott, le Britannique qui est là. C'est Ryan Cruiser, non? 21,84 m. Il me semble que c'est Cruiser sous la pluie. On se rajoute des difficultés. Le Britannique, c'est un record à 21,28 m sur le podium des Jeux du Commonwealth en 2022. Le sujet de Sa Majesté qui sort bien là, non, y a pas avec le cri. Il va falloir pousser le filet pour l'année prochaine. Hein. Il aura fait une série surprenante. Hein. 20,07, 20,53, 21,01. Montée en puissance. C'est réveillé. Et il lui reste encore deux à l'issue de celui-là. Pas forcément très expressif, je pas très satisfait. 1,66 m. Et on va donc débuter le cinquième essai dans quelques instants dans le concours du lancer du poids avec l'enfant du pays, Steven Louis Malagi, entraîné par Laurence Manfredi. La pépite, l'espoir du lancer de foie français, ouais. New recordman de France Espoir. Et lui, il est à la maison, hein. Le sociétaire de l'Athletic Club de Miramas, bloqué pour l'instant à 18,17 m. Il va falloir qu'il aille un peu plus loin. Il sollicite le public. Son public de Miramas.
Il apprend là aussi ce soir. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que face à des gabarits comme ça, mais je pense que c'est hyper intéressant de se confronter à des mecs à 21 mètres et de pouvoir justement comparer en direct. Comprendre. C'est très enrichissant. Comparer les muscles aussi. C'est effectivement, tu parlais des gabarits, là on les a, on, oui, on oui, les voyait côte à côte. Je parlais des perfs en muscu aussi. J'ai... c'est Enet Vecchi qui m'a dit qu'il faisait 375 en RM squat, mais j'ai vu une vidéo de Joe Kovacs, donc, le deuxième performeur mondial, qui fait une série de 8 à 375 en squat. Donc c'est quand même un autre monde pour lancer à 23 mètres encore. C'est la finale B du 60 mètres et masculin. Imaginez un peu Mikdad Sevler, le recordman de Turquie, est relégué dans la finale B. Je veux dire que tout à l'heure ça va aller très vite dans la finale A. Rodan Greff, le français. 7,82. Raphaël Mohamed, 7,73 cette saison. Il a fait une grosse faute en série. Ça lui prive probablement de la finale A. Jérémy Lara, rodeuse, le recordman de Maurice, avec 7,77. Joao Vitor de Oliveira, le portugais. Le roumain Alim Lionu Tonton. Lui, c'est un record à 7,70. Et on va courir en famille au 7-8 puisque Matteo Ngo sera à côté de son frère Cameron. Le grand frère a pris le 7, le petit frère a pris le 8. Et dans quelques instants, on aura une finale A incroyable avec Bélossian, Badamassi et Liopis. Willem Bélossian a survolé les séries tout à l'heure avec 7,56. Il nous a fait très forte impression. Exactement, beaucoup de relâchement, beaucoup de propreté. Donc on arrête. Mais avant cela, il y a la finale B. Et ces garçons doivent profiter des superbes conditions qui leur sont proposées ce soir à Miramas. Une très grosse densité française, hein. Sur les haies toujours. L'école des haies françaises, ouais. C'est pas un mythe. Hein. On nous l'envie dans le monde entier. Par les Américains, il n'y a pas beaucoup de pays qui font mieux. Hein. Lara Rodeuse, Lara Rodeuse pour la victoire, 7,69, ça c'est son record, ça c'est le record de Maurice pour Lara Rodeuse. En super chrono pour Jérémy Lara Rodeuse qui a fait sa course et qui a profité de cette finale B. Ah, Raphaël Mohamed qui peut encore avoir des regrets parce qu'il fait encore une grosse faute sur la dernière E. Et le temps est ramené à 7,71, nouveau record de Maurice. Pour Jérémy Lara Rodeuse, Alim Lionut Anton fait 7,78, son meilleur temps de la saison. Effectivement, pour Raphaël Mohamed, c'est une soirée de regrets. Saut à la perche en direct, Romain Emig, 5,82 m. C'est maintenant ou jamais les minima olympiques. La meilleure performance française de l'année, le record personnel. Il peut le faire, il était en difficulté tout à l'heure, il est revenu de nulle part et il va le faire sur cette troisième tentative à 5,82 m. Elle est engagée. Oh que c'est dommage, ça c'est un saut qu'il fallait faire à la première tentative. Ah oui. C'est sa meilleure tentative celle-là, c'est sûr que... Mais il a de quoi y croire, il a de quoi y croire. Bat le record du meeting, égale son record personnel. Et casse la série de Boireau. Et enchaîne et empoche la victoire. Pour la première fois dans un meeting français cette année, ce n'est pas Pedro Buharo qui gagne. Très très bien. Et Cocorico. Et il fait le point de points, hein. Le plein de points, pardon. Ah bah là oui, en silver, c'est jackpot pour le ranking. Alors, on a Paul Tergat qui vient de passer à côté, c'est ça, Miramas. 5 fois champion du monde de cross, il vient de passer à côté du poste commentateur. Et de nous saluer très, très simplement. Très simplement. Les résultats du concours du saut à la perche qui ont donc vu la victoire de Robin Emig. Si on commence à faire la photographie de la soirée qu'on a vécue, il y a eu de la perte de partout quand même. Les records ont plu. Ah oui, les records du meeting ont plu, c'est sûr. Et les belles performances mondiales aussi, que ce soit au triple saut à la perche.
à la hauteur. Meilleure performance mondiale de l'année au triple saut. Hein. 7,46 m effectivement. Et confirmation donc du nouveau record de Maurice pour Jérémy Lara Rodeuse, 7,71. C'est le troisième record national battu ce soir. Ça aussi, ça compte hein, quand les records tombent. Les athlètes le voient, le savent. C'est-à-dire que les conditions sont bonnes, que la piste est rapide. Ça fait venir du monde. Exactement. Lancer du poids. C'est une team silver qui va attirer de plus en plus de monde. Andrei Rarestoader, le Roumain qui lance un peu sur sa droite. Là. Ouais, il doit y avoir 20 mètres. Il a fait 20-40 pour l'instant, il est quatrième du concours. Vous allez revoir au ralenti cet essai. Et il fait 19,80 m. Il y avait presque 20 mètres. Presque. Et on va retrouver Chuck Enekbeshi, le Nigérien. C'est assez atypique, hein, sa volte est quand même assez atypique. Mais on ira au lancer du poids dans quelques instants parce que regardez, ça y est, c'est l'heure. C'est la grande, très grande finale du 60 mètres et masculin qui nous intéresse à plus d'un titre. Deux Français s'invitent au buffet des très grands et ils sont les très grands, les Français. Jordan Rama, 7,83 son record. Abdelkader Larinaga, le Portugais, 7,67 son record personnel. Job Gerds, vainqueur de sa série tout à l'heure, 7 secondes, 63 centièmes. Willem Belossian, il nous a fait une super impression tout à l'heure en série, 7,56, 7,54 le week-end dernier du côté de Nantes. Sagirou Badamassi a amélioré le record du Niger en 7,68 en série. Henrique Yopis, il a fait 7,63 tout à l'heure, il a un record en 7,48. Greg Thorne, le Canadien, 7,77 son record personnel. Et tout à l'extérieur, le vétéran Konstantinos Douvalidis pour la Grèce qui a couru en 7,59 il y a quelques années de cela. Le record du meeting, c'est Pascal Martineau Lagarde qui le détient en 7 secondes et 54 centièmes. Là, c'est du très grand et du très beau spectacle qui vous est proposé, ce qui se fait quasiment de mieux en Europe. Sur 60 mètres, 5 et... beaucoup de sérénité dans William Belossian, sa le manière petit de... lever d'œil. Ouais. 7,51, c'est la meilleure performance française de la saison. 7,49 pour la meilleure perf mondiale de l'année. Ça fait des objectifs. Arriver à Glasgow avec la meilleure perf. Trop de bruit dans le stadium Miramas Métropole. Le starter fait relever tout le monde. Trop d'ambiance dans ce stade. Et ils sont chauds bouillants pour accompagner cette course. Willem Belossian, plein centre, aura à côté de lui Sagirou Badamassi qui ne cesse de monter en puissance. Petit détour par le lancer du poids avec le Britannique Lincoln qui est en tête pour l'instant avec 21,01 m. Oh. Ah, on doit être pas loin des 21. On est sur la jonction, ouais, des tapis. Donc c'est 21-01 pour l'instant, la meilleure perf réalisée par Scott Lincoln, le médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth. Ça a l'air un peu moins bon. Là, il cache sa joie pour l'instant. 20-68, effectivement, il y a un tout petit peu moins. Et il lui restera une sixième tentative, un sixième essai pour tenter d'améliorer. Les lanceurs de poids auront la lourde responsabilité de clôturer le meeting côté concours. Belle visibilité là aussi pour les lancer. Laurence Manfredi ne doit pas y être pour rien. Et la finale du 60 mètres et masculin du meeting international de Miramas en direct sur Athlé TV. Willem Belossian. Bon, le beau départ de Willem Belossian qui est tout de suite en tête sur la première haie. Il faut tenir jusqu'au bout, il faut continuer à mettre du rythme. Le retour de Lyopis. Belossian, 7,52 pour Willem Belossian qui l'emporte et qui va le...
Encore du meeting. Ce garçon est en train de monter en puissance et va faire quelque chose cet hiver. Il vient inscrire son nom au palmarès du meeting, évidemment. Record du meeting pour Willem Bélossian, 7,51, meilleure performance française de l'année. Et vous revoyez la course de Willem Bélossian qui a littéralement jailli des blocs. À 2 centièmes de son record. C'est beau, c'est très propre. Toute petite faute pour... toute petite faute sur la 4, mais rien du tout. 7,51 pour Willem Bélossian qui l'emporte. Vous le voyez devant Enrique Llopis, 7,61. Et Sagirou Badamassi, 7,71. Jordan Rama en profite pour faire son meilleur temps de la saison. Avec 7,54. 7,84, ouais, Jordan Rama. Le lancer du poids. C'est mieux comme ça. Colin Coleman en tête pour l'instant avec 21m01 devant Rajindra Campbell 20,81 et Chakeneke Vichy 20,74. On a débuté le 6e et dernier essai. Frédéric Dagé qui en restera à 19,21. Alors, il allait parler au cercle, il allait faire quoi ce... portugais Sanko Arnaudov. Il attend qu'on lui lève le drapeau blanc. D'accord. Ah non, il y a une erreur de mesure. Il y a une erreur de mesure, donc il demande à remesurer, à relancer, je pense. S'ils n'ont pas, je sais pas, s'il y a un bug, non, parce qu'ils ont la marque, donc c'est ce qu'ils attendent. On n'a pas envie de l'embêter s'il dit qu'il n'a pas essayé. Oui, oui, il est en pleine discussion là avec le jury. Après, les lanceurs sont toujours adorables. On lui redonne un essai. Le temps de réfléchir à tout ça. Le portugais Sanko Arnaudov. Et dans quelques instants, il va y avoir la finale du 60 mètres masculin. Finale B puis finale A. Et bien ensuite, la grande finale du 1500 mètres masculin. C'est la finale B du 60 mètres masculin au départ. Jerry Lecomte. Un record en 6,68. Ibrahima Camara sera à ses côtés. Ibrahima Camara donc pour la Gambie. 4 Français dans cette finale B. Jérémy Lecomte, Alan Lally, Aymeric Priam, Paul Lada. Et on va retrouver un Japonais, Akihiro Higashida, qui a un record en 6,59. C'est dire que tout à l'heure, on aura une finale A de feu. On se retrouve en B avec 7,59. Et 6,58 pour Hauser. Le Turc, là, c'est le Serbe, Aleska Tijanovic. Paul Lada, donc dans cette course effectivement pour la finale B du 60 mètres. Le record du meeting c'est 6,57. S'il tremble, c'est très probablement dans la course suivante. Là on aura plus qu'un duel. Hein. Ils sont, on aura Omaniala, on aura Cissé, Toraval. Toraval aura le 4 en plus. Hein. Et Semi.
finale B du 60 mètres masculin. Ezer, le Turc. Peut-être le Turc Hauser ou le Japonais Akiro Higashi. 6,69 le chrono officieux. On va récupérer peut-être l'interview de Willem Belossian. 7,51 ce soir à Miramas. La saison me semble très bien lancée pour toi en 2024. Bon, bonsoir à tous. C'est clair, la saison elle est lancée. Maintenant, voilà, c'est des chronos qui sont assez anecdotiques. Je ne vois pas satisfait de cette compétition. Maintenant, je retourne au travail et travailler certaines choses pour la prochaine semaine. Voilà, on continue à travailler. Il faut que ça progresse. Il y a un objectif cet hiver. Oui, un objectif, c'est clair, médaille mondiale. En tout cas, il y a les championnats du monde, donc voilà. Il y a des détails à travailler, il y a des choses qui ne pardonnent pas, quoi. Voilà, prochaine étape pour toi. Le meeting de Paris, Bercy, le 11. Ok, merci d'applaudir Willem Belossian, s'il vous plaît. Willem Belossian, 7,51, il n'est pas satisfait. Allez. Excusez du peu. Et oui. Le meeting de Paris, c'est le week-end prochain. Et vous pourrez le suivre avec nos confrères de l'équipe. Mais si vous êtes à Paris, précipitez-vous sur www.athlé.fr pour réserver votre place. Les résultats de la finale B du 60 mètres masculin par Kayan Hauser en 6,69. On reprend notre souffle et on revient en direct de Miramas dans quelques instants. A tout de suite. Running needs nothing. It was born free, goalpost free, finish line free. Running doesn't care whether you're breaking records or setting a record for breaks. Running needs nothing but you. Retrouvez tous les clubs d'athlétisme sur athlé.fr. Retour en direct du Stadium Miramas Métropole. Pour la fin du meeting international de Miramas, la grande finale du 60 mètres A va malheureusement être amputée de deux prétendant à la victoire, Ferdinand Magnala et Arthur Cissé qui seront non partants. Ça va laisser un peu de place à nos Français. Exactement. C'est dommage pour le spectacle, mais voilà, il faut faire avec. Jeff Herius, Antoine Thoraval seront dans cette finale du 60 dans quelques instants. Vous découvrez la start list avec Emmanuel Essémé qui a également battu le record du Cameroun tout à l'heure en série. Et puis les deux Britanniques, Andrew Robertson et David Morgan Harrison, qui compléteront cette course. Le premier Britannique, il est là, Andrew Robertson, 6,54 son record. Il a fait 6,65 cette saison. On attend de Thoraval qui confirme, hein. Série finale. Et qui casse le mur des 6,60. C'est vrai que c'est dommage qu'il ne puisse pas être en face de Magnala. On parlait de différents gabarits, pour le coup, ils sont absents. Alors, Magnala, on espère qu'il n'y a rien à la cheville, parce qu'on l'avait vu en redescendant se tordre légèrement la cheville.
Un Britannique peut en cacher un autre. Un autre sujet de sa majesté, c'est David Morgan Harrison et notre pépite du sprint français. L'une des pépites, c'est Jeff Herius. Il n'est que espoir première année. Il court en 6,61, lui qui a été champion de France élite la saison dernière. Antoine Thoraval, la fusée de Mondeville, 6,60. Et Sémé, le Camerounais, 6,62 en série record du Cameroun. Ils sont là finalement. Finalement, ils sont là. Ils étaient annoncés non partants. Puis finalement, ils sont au départ. Et bien tant mieux. Ferdinand Magnala, 6,54. Et Arthur Cissé, 6,53, le record de Côte d'Ivoire. Bah ça rajoute de l'intérêt au spectacle, encore plus. Ça va être une très grosse course. Et à l'extérieur, Adam Thomas, le Britannique. Le record du meeting, c'est 6 secondes 57. Les minima pour les championnats du monde, 6,58. Et la meilleure performance française de l'année, 6,60. On va voir qui est du petit jeune Jeff Herius et du tout aussi jeune mais. Thoraval. Ouais. Et alors le grand Herius et le petit Thoraval. Exactement. Là on le voit au gabarit, des gabarits complètement différents. Et si on va chercher un peu plus loin au Magnala et Cissé, on est sur une musculature un peu plus imposante aussi. C'est sûr. Mais de ce que l'on a vu tout à l'heure en série, Thoraval et Herius ont leur carte à jouer ce soir. Face à Essémé, le Camerounais, Omagnala, le Kenyan et Cissé, l'Ivoirien. C'est la grande finale du 60 mètres du meeting international de Miramas avant le feu d'artifice, le 1500 mètres masculin. Le super départ d'Antoine Thoraval, Arthur Cissé, Omagnala qui met en marche, Omagnala qui va l'emporter devant Essémé, 6 secondes 52 centièmes pour Omagnala qui bat le record du meeting. Le temps corrigé, 6 secondes 52 pour Ferdinand Omagnala, record du meeting pour le Kenyan. Record du Cameroun pour Emmanuel Essémé, 6,61 qui prend la deuxième place. Arthur Cissé, 6,62. Il y a eu un très très beau départ de Thoraval, mais c'est vrai que dès qu'ils ont lancé les jambes, il s'est retrouvé un peu court. Ça a été, il s'est vite fait rattraper après 30 minutes. Et Omagnala fait le record du Kenya. Jeff Herius fait 6,66. On attend le chrono de Antoine Thoraval qui a un peu craqué sur la fin de la course. C'est aussi dur d'enchaîner des courses à très très haute intensité. Ah ouais, puis ça doit faire bizarre de partir devant et de te faire remonter comme ça. Entre Essémé et Herius, effectivement, 6,66 pour Thoraval. Ça reste quand même des sacrés chronos et des sacrés pertes. Bien parti, il est un peu plus crispé que tout à l'heure quand même. Thoraval. Et la grosse chute du Britannique David Morgan. Mais ils ont appris, nos Français, forcément. Ils ont confirmé surtout parce qu'au final ils étaient présents. Ils se sont hissés dans la grande finale. Omagnala bat le record du meeting en 6,52, nouveau record du Kenya. Emmanuel Essémé, 6,61, nouveau record du Cameroun. Arthur Cissé, 6,62, sa meilleure course de la saison. Confirmation de ces résultats sur votre écran. Le meeting international de Miramas est une étape du Crédit Mutuel Athlé Tour organisée par la Fédération Française d'Athlétisme. Le président de la Fédération Française, André Giraud, était avec nous il y a quelques minutes. Nous lui avons posé quelques questions. Écoutez. Nouvelle édition du meeting de Miramas qui détient désormais le label argent. Quelle montée en puissance pour ce meeting ? Oui, c'est très bien à la fois pour la ville de Miramas, pour le club et surtout pour cette magnifique salle qui mérite aujourd'hui d'avoir un meeting de grande envergure. Et il y a une volonté ici à Miramas et avec la Ligue de Provence de vouloir progresser chaque année. Et ce soir, nous allons avoir déjà un très très beau plateau à quelques mois des Jeux. C'était un rendez-vous tout à fait normal et incontournable de notre saison.
Un mot également sur ce partenariat que la ville de Miramas signe avec le Kenya. J'imagine que quand vous êtes, quand on est président d'une fédération d'athlétisme, voir le Kenya s'installer en base arrière à Miramas, ça fait plaisir. Oui, nous sommes très heureux de ce travail qui a été réalisé depuis 4 ans maintenant et qui va permettre justement au comité olympique kenyan de venir préparer les Jeux et en particulier l'athlétisme à Miramas avant d'entrer dans le village de Saint-Denis. Toutes les conditions ont été réunies afin que les athlètes kenyans puissent préparer ces Jeux dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que ce partenariat avec un pays aussi emblématique en athlétisme est une très très bonne chose pour l'athlétisme français. Un mot justement sur cette saison 2024 absolument extraordinaire qui commence sur les chapeaux de roue et c'est loin d'être fini, le point d'orgue 29 juillet, le Stade de France. Oui, on est à moins de 6 mois de l'ouverture des JO et on se rend compte quand on fait le total, disons dans le calendrier des rendez-vous, on aura une 50aine de rendez-vous nationaux et internationaux, dont 8 grands championnats internationaux en l'espace de 6 mois. Une saison très dense, je dis bien une saison parce que c'est avril, printemps, été. Et c'est vrai que nous attendons beaucoup de cette année 2024 qui devrait permettre, avec la visibilité que l'athlétisme va avoir au niveau télévisé, permettre justement de développer encore plus la pratique de l'athlétisme. C'est ce que nous attendons pour la rentrée 2024. Un tout petit mot sur les performances. Ça a très bien démarré en 2024. On voit que les voyants commencent à passer au vert. Vous êtes optimiste ? Il y a une belle génération qui a fait ses preuves déjà dans les compétitions internationales cadets, juniors, espoirs, qui commencent à arriver à maturité. Nous avons mis tous les moyens que l'on pouvait mettre à leur disposition pour qu'ils soient performants aux Jeux Olympiques. Les conditions sont réunies. Maintenant, il est vrai que l'athlétisme est un sport très difficile. 214 pays sur la ligne de départ, très peu d'élus, mais on espère bien que certains de nos jeunes vont commencer à montrer le bout de leur nez, comme on dit, dès cet été sur la piste du Stade de France. Un dernier mot, Président. Michel Jazy nous a quittés hier. C'est une légende du sport au-delà de l'athlétisme. Votre réaction ? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de... On est triste aujourd'hui. L'athlétisme français est en deuil. L'athlétisme international, Michel a marqué toute une époque. Et c'est vrai que sa disparition affecte aujourd'hui tous ceux qui l'ont connu, tous les jeunes. Moi, j'étais cadet quand Michel était au sommet et ça a été un modèle pour moi. Aujourd'hui, Michel, c'est l'image de l'athlétisme. Mais je rappelle que aussi à Rome, avec sa médaille d'argent, il avait explosé. Et malgré, disons, son échec à Tokyo, il a gardé une très très belle image avec tous ses records du monde. Et vraiment, on sera aux obsèques mardi. Une forte délégation de la fédération sera présente. Guy Dru, d'ailleurs, m'a accompagné. Et on va lui rendre un dernier hommage. Merci beaucoup, Président. L'hommage du président de la Fédération française à une légende, Michel Jazy, qui s'est envolé hier matin et qui, ce matin, s'offre 6 pages et la une de L'Équipe sur toutes les colonnes, et c'est un juste hommage à une légende, ce qu'on disait, au-delà de l'athlétisme, du sport. Tout le monde connaissait Michel Jazy. Exactement. Et Michel Jazy courait le 1500 mètres, il court le 1500 mètres également, dernière épreuve de gala ce soir. Il y a tout simplement pléthore de champions, mais il y a surtout un champion olympique dans cette course, le champion olympique du 10 000 mètres à Tokyo, Salomon Barega. Et il y a également un Français qui a fort à jouer ce soir, c'est Robin Mornay, qui vient de réaliser 3 minutes 37, 27 du côté d'Ostrava cette semaine. 9e performance française de tous les temps. Exactement, et les minima pour Glasgow, 3.36. Donc il a vraiment une carte à jouer ce soir et un lièvre de choix. C'est l'objectif. C'est clairement l'objectif pour Romain Mornay, le professeur d'éducation physique du côté de la Vendée, qui peut entrer dans la cour des très grands ce soir. Mais pour ça, il va falloir se faire une place, se frayer un chemin dans ce peloton et suivre les lièvres et le tempo qui sera emmené. C'est
parti. C'est parti très très vite, effectivement. Ça s'est bousculé au départ, ça s'est énervé tout de suite. Je donne pas cher du record du meeting à 3:40.04. Oui, ça c'est normalement une simple formalité pour ces garçons qui sont plus habitués à courir effectivement en dessous de 3:40, voire bien en deçà. C'est les Mon Barrega, c'est un record à 3:32.97, imaginez un peu. Mais pour cela, il va falloir suivre les lièvres, il va falloir être idéalement placé. Romain Mornay, notre Français, est pas mal pour l'instant. On a également Maël Gouillette qui est là, qui avait brillé du côté des championnats du monde de course sur route, sur le mile. Le chrono est monstrueux pour l'instant. Hein, pour, le lièvre, vérifie s'il est assez rapide. Ah, il est même parti un peu vite parce que pour l'instant, ça colle pas derrière. Mais ça y est, hop, tout le monde est en train de rentrer. C'est la course de la soirée, à n'en pas douter, avec Salomon Barrega, le champion olympique du 10 000 qui est là en troisième position, idéalement placé. Romain Mornay est un petit peu plus loin derrière, mais il faut profiter de la course. Il faut profiter de son expérience qu'il a acquis ces derniers mois pour aller continuer à grappiller des places. Le premier étage de la fusée Lièvre s'est écarté. Salomon Barrega est toujours là sur le porte-bagages. Romain Mornay est en 2, 4, 6, 7, 8e position pour l'instant. Dans ce meeting international de Miramas, quelle course, quelle impression. Et Mathilde, il y a cette proximité, tu le disais en salle, on est juste à côté, on entend presque les foulées des coureurs. Exactement, on sent cet engouement en plus autour de nous pour cette course. Il y a vraiment trois types de foulées différentes dans ces trois premiers coureurs. C'est impressionnant à voir. Salomon Barrega efficacité qui va passer en tête à trois tours de l'arrivée. Il n'y a plus de lièvre, c'est l'explication entre patrons. Barrega vient à peine de commencer à allonger sa foulée. Jusqu'ici, il était vraiment sur la retenue. Mornay est en train de fournir son effort. Il est en train de remonter à la cinquième place. Ça coince un petit peu, ça bouscule là à la fin du peloton. Faut pas se faire enfermer. Salomon Barrega, taille patron pour l'instant aux commandes. Ah oui, Barrega, il est solide. Hein. Il est champion olympique, excusez du peu. Romain Mornay fait l'extérieur pour se placer en cinquième position avec Maël Gouillette sur son porte-bagages. Les Français doivent impérativement profiter de la course de gala qui leur est offerte. Romain, c'est très bien. Barrega en tête. Ça remonte à l'extérieur. Évidemment, ça remonte très très fort à l'extérieur. On va entendre la cloche. Romain Mornay, il est là en quatrième position, c'est très bien, continue, tire sur les bras. Falele, le Kenyan devant Barrega, le Kenyan Ryan Mafele, le Sud-Africain va-t-il se payer? Barrega, oui. Mornay, quatrième, il y a un chrono là au bout, il y a peut-être les minima pour les championnats du monde, pour notre Français. Ça va être dur, il va en manquer un petit peu. Ah, 3:36.41, il ne va pas manquer grand-chose. Nouveau record du meeting, évidemment. Et quatrième performance mondiale de l'année réalisée ce soir dans ce meeting international de Miramas par le Sud-Africain Mfanele qui s'offre une victoire de prestige et qui bat Salomon Barrega, le champion olympique. 3:36.57 pour Mfanele. On va attendre le chrono derrière. Record national pour l'Italien. Record d'Italie pour Riva. pour Salomon Barrega. C'est-à-dire que Romain Mornay, il va encore faire un joli chrono ce soir à Miramas. Peut-être paye-t-il un peu l'enchaînement, mais... Puis c'est parti très très vite, hein. Le rythme. On attend le chrono de nos Français. 3:37.65 encore, hein, pour Romain Mornay à 4 dixièmes de son record. C'est de la classe mondiale, quatrième performance mondiale pour le Sud-Africain Falele qui l'emporte après la meilleure performance mondiale du triple saut. Ça conclut de fort belle manière ce meeting de Miramas. Mathilde, si tu devais garder un petit show de ce Sud-Africain, si tu devais garder une image, une performance de la soirée,
Je pense que ça sera Robin Herrig. Parce que Cocorico et puis coiffé sur le poteau, le portugais, voilà, c'est la performance que je garderai moi. Mais évidemment, Andy Diaz a été très impressionnant ce soir. Au triple saut avec 17m46. Les résultats du lancer du poids, remporté par Scott Lincoln avec 21m01 devant Campbell, le Jamaïcain, 20m81. Et Enekveshi pour le Nigeria, 20m74. Fred Dager a bloqué à 19m21. Il construit son retour. Étape par étape, il ne faut pas les griller. Exactement. Et c'est une surprise que ce soit Lincoln qui s'impose devant le Jamaïcain. On attendait plus le Jamaïcain ce soir. La confirmation de la victoire de Mafori Ryan Faelele, le Sud-Africain, aux 1500 mètres. 3,36,57, nouveau record du meeting. Record d'Italie pour Federico Riva. Ça doit être le 4e ou 5e record national qui est battu ce soir. Superbe soirée d'athlétisme qui vous a été offert sur les antennes d'Athlet TV. Meilleure performance mondiale de l'année au triple saut. 4e performance mondiale de l'année sur le 1500 mètres. La confirmation de la bonne forme de nos Français Toraval et Arius qui se sont hissés dans la grande finale. Et effectivement, Cocorico, la victoire de Camille Seri sur le 400 féminin, oui. Faut pas l'oublier. Et la victoire de Robin Hemming au saut à la perche en égalant son record 5m75. Et Agathe Guimaud qui l'emporte également avec le record du meeting sur le 1500 mètres. Les voyants sont en train de passer au vert. Et prochain. Willem Bellossian qui se satisfait pas de son 7,51 parce qu'il vient chercher bien plus que ça, enfin bien moins du coup. Et Sacha Alessandrini, 8,04 en série. Exactement, qui montre aussi un bel état de forme à 2 centièmes des minima pour Glasgow. Il fallait bien tout ça pour clôturer cette soirée de Miramas. On vous donne rendez-vous demain sur les antennes d'Athlet TV. Dès 15h, ça sera avec Kevin Legrand et Vanessa Gladon du côté de Metz pour une nouvelle étape du Crédit Mutuel Athlet Tour. Le week-end prochain, c'est extrêmement chargé puisque vendredi soir, on sera à Lyon avec l'ami Vincent Guyot. Et dimanche, vous serez évidemment à l'Accor Arena de Paris-Bercy pour le meeting de Paris sur l'équipe Canal 21. Le 17 et 18, c'est les championnats de France élite ici à Miramas. Et mercredi, il y a le meeting de Mondeville, évidemment, avec Alexandre Brunel et Vanessa Gladon. Merci beaucoup, Mathilde Andreau, pour Merci cette grande première. Merci on va remercier les moyens techniques de Chlorophylle Production, Nicolas Ruot à la réalisation, Philippe Chaput aux interviews, Thomas Préau, chef d'édition. Merci à toutes et à tous. Très belle soirée.